pour réaliser ce travail, il a bénéficié de deux appuis. Deux appuis simultanément, qui a fait que nous avons ce travail-là, disons, réalisé dans de bonnes conditions scientifiques. Concernant l'appui administratif, venu de l'école supérieure Les Faucons. Donc, c'est l'école supérieure Les Faucons. Et je rends hommage à son directeur, c'est lui qui a introduit son dossier au CIRAD. CIRAD, après avoir étudié le dossier, a accepté de l'appuyer techniquement et par le biais de l'unité de recherche du docteur Jean Gérard, aussi ici, que je rends un grand hommage. Donc, il a fait régulièrement 3 séjours de plusieurs mois dans des laboratoires de l'institution, des institutions à Montpellier. Il a fait plusieurs laboratoires, comme vous pouvez le constater dans sa thèse. Dans le cadre de ses travaux de thèse, il a pris part à 4 conférences et colloques nationales et internationales, et il a fait 2 publications et 1/3e publication où il est co-auteur. En 2018, il a participé à une journée du GDR Sciences du Bois tenue à Cluny en France sur le thème étude de la transformation de produits connexes de bois et plastique, polystyrène expansé d'emballage en matériaux sandwich. En 2018, toujours, il a participé au colloque de l'Ethiopian Academy of Science et a obtenu la distinction de demi-finaliste de cette académie. En 2019, il a présenté une communication 4e journée scientifique du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Le thème de cette communication est orientation sur l'utilisation de 3 essences locales des bois d'œuvre au Bénin. En 2019, toujours, il a présenté une communication au 7e colloque des sciences, culture, technologie de l'Université d'Abomey-Calabi sur le thème mise au point d'un matériau de type sandwich à partir d'éléments de raffia, de déchets de bois et plastique recyclé. Il a publié 3 articles scientifiques. Donc, pour ceux, je m'arrête là et je remets la parole au président. Très bien, donc on a suivi avec attention la présentation de la vidéo. Nous allons Merci, monsieur le président du jury. Honorable monsieur le membre du jury, cher public, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail de thèse dont le thème est intitulé « Développement d'un écomatériau de type sandwich à base de composites de bois et plastique de recyclage et d'éléments de raffia ou cahier ». Avant de prendre vraiment le vif du sujet, permettez-moi, Excellence monsieur le président du jury, de remercier un certain nombre de personnes sans lesquelles ce travail ne saurait être une réalité. Je voudrais remercier le professeur Adjovi et le professeur Jean Gérard pour m'avoir proposé ce thème et m'avoir encadré tout le long de ce travail. Pour entrer dans le vif du sujet, nous proposons le plan suivant qui va constituer la base de tout ce que nous allons présenter. Dans un premier temps, nous allons présenter l'introduction, ensuite la problématique, puis les objectifs visés,
la démarche méthodologique suivie, les résultats et discussions obtenues, puis nous allons finir par conclure. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable Monsieur le membre du jury, dans les pays en développement, d'importantes quantités de déchets sont produites lors de la transformation du bois, en raison de l'utilisation d'équipements non adaptés ou d'un manque de maîtrise des techniques de transformation par les opérateurs de la filière. Des pertes importantes sont donc constatées et touchent aussi bien l'industrie du bois que la production forestière en amont. Au Bénin, plus de 4500 tonnes de CU de bois sont générées chaque année selon le rapport de 2016 de la Direction générale des forêts et ressources naturelles. Cette quantité de CU qui est générée est en réalité utilisée comme composant d'assainissement dans le secteur avicole ou carrément abandonnée dans les décharges sauvages, polluant ainsi l'environnement immédiat en milieu urbain. Ces déchets ne sont donc pas valorisés de façon satisfaisante dans une perspective de réutilisation par l'industrie du bois ou dans la construction. Dans le monde, les matières plastiques sont produites en quantité de plus en plus importante. La production mondiale est passée de 1960 à 2013 à près de 440 fois. Près de 370 millions de tonnes sont produites en 2019 selon la plateforme de FACT en 2016. Et cette forte croissance pourrait persister dans le futur en raison de nombreuses nouvelles applications des matières plastiques selon Mondial et collaborateurs 2019. Au Bénin, le rapport de l'UMOA de 2013 indique que plus de 120 000 tonnes de déchets plastiques sont produites en 2010 et une augmentation de plus de 30% est prévue pour 2020 selon le même rapport. Plus de 50% de cette quantité de déchets est en réalité formée de films plastiques, c'est-à-dire des sachets plastiques noirs et blancs, qu'on appelle le polyéthylène à basse densité, et le polystyrène, toute quantité de tous ces matériaux provenant, bien entendu, essentiellement des activités commerciales d'importation, selon l'institution CREPA 2011. Dans le contexte mondial actuel marqué par les questions environnementales, de l'économie circulaire et du développement durable, l'élimination des déchets constitue un enjeu majeur. La transformation des déchets en matériaux constitue donc une alternative intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'elle permet l'assainissement de l'environnement. Deuxièmement, elle valorise les déchets par la mise à disposition de nouveaux matériaux dans le domaine de la construction. Et troisièmement, parce que l'utilisation de ces matériaux pour suppléer le bois dans la construction contribue à réduire la pression sur les forêts, et de même que la réutilisation de ces déchets plastiques contribue à économiser une grande quantité d'énergie primaire, notamment du pétrole. Certes, depuis les travaux de Cocta et collaborateurs en 1983 jusqu'aux travaux de Mondal et collaborateurs en 2019, la transformation des déchets a bénéficié de beaucoup de travaux d'études. Plusieurs technologies, dont l'extrusion, le thermoformage et l'injection, sont utilisées et sont disponibles pour la fabrication de différents types de composites, dont les composites à particules ou à renfort fibreux, les multicouches et j'en passe. Mais selon la plateforme ressources 2015, cette technologie reste peu accessible aux pays en développement. Le rapport de l'UMOA de 2013 a exprimé la nécessité de développer d'autres technologies facilement reproductibles et à la portée des opérateurs locaux. Pour cela, les auteurs ont commencé par faire des propositions, mais qui présentent des limites, d'où la problématique. En effet, de 2013 à 2018, des auteurs dont Aqua et collaborateurs, Chaon et collaborateurs ont développé des technologies accessibles aux pays en développement. Mais cette technologie permet d'avoir un certain nombre de composites, dont les composites à base de CU de bois recyclé et de polystyrène expansé d'emballage recyclé. Un autre type de technologie de composite, à savoir le composite à base de CU de bois recyclé et de polyéthylène à basse densité, dans les sachets plastiques dont j'ai parlé tout à l'heure, et des multicouches qui sont formées à partir de ces deux types de composites. Mais des problèmes se présentent. Le premier problème auquel ces composites sont confrontés, c'est que leurs propriétés technologiques sont très peu connues. Le deuxième problème, c'est que les multicouches qui ont été développées ont une densité élevée, donc sont lourdes. Ils sont également fragiles, ils sont volumineux parce qu'épais.
Ces multicouches développées présentent également de faibles propriétés spécifiques. Ces différents problèmes limitent donc l'utilisation de ces matériaux en tant que produits d'ingénierie. Il est donc nécessaire de passer à un autre modèle de matériaux pour régler ces différents problèmes. Le matériau de type sandwich constitue donc un candidat potentiel pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les matériaux de type sandwich sont légers. Deuxièmement, parce qu'ils présentent de par leur structure de bonnes propriétés spécifiques. Mais qu'est-ce que c'est qu'un matériau de type sandwich concrètement? Le matériau de type sandwich est en réalité un matériau constitué de trois couches. De trois couches, dont deux couches extérieures présentées sur la figure 1 et une couche centrale. Les couches extérieures s'appellent peau et la couche intérieure s'appelle âme. Les peaux travaillent à la traction ou à la compression selon le mode de chargement et la couche centrale travaille au cisaillement, c'est-à-dire permet la transmission des efforts entre les différentes couches extérieures. Les matériaux sandwich sont ont de bonnes potentialités, mais sont également très exigeants de par leur structure. Un matériau sandwich doit avoir ses peaux qui doivent présenter de bonnes propriétés en traction, comme on vient de montrer que ces peaux travaillent à la traction vers la compression. Les peaux doivent être de faible épaisseur et l'âme doit avoir une faible densité avec une bonne résistance au cisaillement. Dans ces conditions, on se pose la question de savoir s'il est possible de réaliser un matériau de type sandwich à partir de déchets plastiques, de ressources écologiques et de technologies locales accessibles aux pays en développement. Pour répondre à ces questions, nous sommes fixés des objectifs. L'objectif principal que nous avons fixé est de développer un éco-matériau de type sandwich à base de ressources locales, de déchets de bois et plastique de recyclage et à l'aide de technologies localement accessibles. Trois objectifs spécifiques ont été fixés. Premièrement, il s'agira d'étudier expérimentalement les propriétés des composites de base issus des déchets de bois et plastique de recyclage. Deuxièmement, d'évaluer expérimentalement les propriétés du matériau issu des ressources locales. Et troisièmement, d'élaborer le matériau sandwich en utilisant les matériaux de base précédents suivant une technologie reproductible localement, puis en évaluer les performances. La démarche méthodologique que nous avons suivie pour atteindre ces objectifs se présente comme suit. Dans un premier temps, nous avons essayé de concevoir le matériau sandwich et définir les matériaux de base, ces matériaux de base. Deuxièmement, nous avons défini le procédé de fabrication, puis nous avons réalisé un prototype. Troisièmement, nous avons essayé de caractériser expérimentalement les matériaux de base et identifier les variantes qui peuvent constituer un matériau de type sandwich, vu que ce matériau de type sandwich est exigeant en matière de propriété. Ensuite, d'une part, nous avons essayé de produire des échantillons que nous avons caractérisés expérimentalement, et d'autre part, nous avons procédé à la modélisation des principales propriétés de matériau sandwich élaboré, et finalement, nous avons évalué les performances de ce matériau sandwich. Pour ce qui concerne la première étape de conception du matériau, le principe de base a consisté en fait à travailler sur le mode d'allègement de lame du matériau sandwich pour que ce matériau sandwich au final devienne moins lourd. Donc, nous avons d'abord défini le modèle sandwich en explorant quatre solutions. La première solution que nous avons explorée est constituée en fait de carton qui a montré que les propriétés du matériau obtenu sont faibles. La deuxième solution est constituée de tôle perforée qui a montré que le matériau obtenu est lourd. La troisième solution a consisté à créer des vides dans le matériau à l'aide d'un système de moulage, mais on a constaté par la suite que le matériau obtenu présente beaucoup de contraintes internes. La quatrième solution que nous avons retenue, que nous allons présenter donc ici, est constituée de matériaux d'origine végétale qui est en réalité obtenu de la plante qu'on appelle le palmier raffia à partir de ces branches que nous avons travaillées pour en extraire une certaine partie que nous allons présenter ici. À titre de définition donc de nouveaux modèles de matériaux, nous allons préciser que ce matériau est constitué de deux couches externes en composite bois polystyrène et d'une couche centrale constituée d'un assemblage de composite bois polyéthylène et
de la partie interne de la branche de palmier raffia. Cette partie interne de la branche de palmier raffia, on appelle le rachis de raffia ukeri. Le rachis, donc nous avons pris le rachis, la nervure de la feuille, nous avons enlevé la coque, c'est-à-dire l'écorce, et nous allons prélever la partie interne que nous allons montrer tout à l'heure dans la description même du modèle. Donc, la partie interne de la rachis de raffia, en réalité, a été travaillé à la menuiserie, doit être travaillé à la menuiserie pour qu'on en constitue cette structure qui est présentée sur la figure numéro 4. Le procédé de fabrication que nous avons utilisé respecte le principe de moulage institut. Et les principales étapes de mise en œuvre de ce procédé sont au nombre de trois. Premièrement, il s'agit de fabriquer ou de préfabriquer les pots du matériau sanduit, donc qui serait en composite bois, polystyrène. Deuxièmement, de fabriquer les inclusions qui sont donc en matériau végétal, c'est-à-dire la partie interne de la plante de raffia que nous avons parlé tout à l'heure. Et troisièmement, nous allons procéder donc par moulage du matériau sanduit pour obtenir le produit. La mise en œuvre de ce procédé se présente comme suit. Donc, dans un premier temps, nous essayons de constituer, de fabriquer le composite bois polystyrène. On prend le polystyrène recyclé, on mélange à du solvant. Ici, c'est de l'essence. Et ça donne une certaine colle. Et nous mélangeons donc cette colle-là avec la scie de bois pour obtenir, nous mélangeons correctement les deux, pour obtenir au final un composite que nous essayons de compacter à la presse. Nous démoulons par la suite et on obtient donc comme ça les plaques en composite bois polystyrène. De l'autre côté, pour avoir le composite bois polyéthylène, nous essayons de prendre les sachets plastiques qu'on essaie de fondre à 170 degrés environ, qu'on mélange avec la scie de bois pour obtenir, après moulage et solidification, des panneaux comme nous avons présenté, des panneaux en composite bois polyéthylène que nous avons présenté ici. La deuxième étape consiste donc à extraire la partie interne de la branche de raffia où, dans un premier temps, nous rapprochons de l'arbre et nous essayons de couper les feuilles et nous essayons d'enlever les feuillets pour obtenir la partie centrale qu'on appelle donc le rachis de raffia. Nous essayons de le dénuder, donc on enlève l'écorce pour avoir ce que nous avons présenté donc ici sur la figure, sur cette photo. Et on passe maintenant à la menuiserie. On essaie donc de débiter pour avoir des lamelles qu'on essaie d'assembler pour avoir donc la structure que nous avons présentée ici. Pour avoir enfin le matériau sanduit lui-même, nous prenons un moule et nous y déposons une plaque en composite bois polystyrène. Ensuite, nous mettons de composite bois plastique à l'état fondu là-dessus. Ensuite, nous posons la structure en raffia que nous avons dénommée ici la pire, matériau pire. Ensuite, nous mettons encore de composite bois polyéthylène à l'état fondu. Puis, nous essayons de fermer et on passe à la moule pour passer à une certaine légère pression. Et on démoule par la suite, on passe à l'atelier de menuiserie et on essaie de traiter par la scie circulaire. On obtient donc le composite tel que présenté ici, dont le prototype vous est présenté ici. Où nous constatons que ce matériau est constitué, bien sûr, de trois couches extérieures, de deux couches extérieures et d'une couche centrale constituée de composite bois polyéthylène qui est la partie en noir et des inclusions en partie interne de bande de raffia qui sont donc les petits rectangles dans la section transversale en blanc. Nous sommes ensuite passés donc à la caractérisation des matériaux de base. D'abord, les composites bois plastique et les composites bois polyéthylène. Nous avons mené différents types d'essais. Au total, nous avons mené sept essais. Nous avons réalisé sept essais sur le composite bois polyéthylène et 10 essais sur le composite bois polystyrène. Au nombre des essais menés, nous avons les essais de masse volumique, d'absorption et de gonflement d'épaisseur, de flexion 3 points, de traction, de compression et de mesure de conductivité thermique et de diffusivité et d'effusivité thermique. Tous ces essais ont été menés suivant les différentes normes et différentes méthodes que nous avons présentées ici. Ensuite, particulièrement sur le composite bois polystyrène, nous avons mené des essais complémentaires, dont l'essai de mise en forme et des essais biologiques. Au nombre des essais de mise en forme, nous avons l'essai qui a consisté à étudier le comportement du matériau au cours du moulage et après le moulage. Ensuite, nous avons procédé aux essais biologiques où nous avons étudié la durabilité naturelle des champignons, basé 2007, et la durabilité naturelle des termites, suivant les normes prescrites en la matière. La caractérisation des différents matériaux que nous avons faits, en particulier les composites de
les composites bois plastique et bois polystyrène ont été en réalité exécutés et a été en réalité exécuté suivant un certain nombre de variables que nous avons définies. Pour pouvoir donc mieux apprécier la propriété des composites, nous avons donc défini un certain nombre de variables, à savoir la taille des particules qui constituent donc le composite, la teneur en particules de bois, l'espèce de bois, les fibres que nous avons incorporées, la pression de compactage et la température de séchage. Pour ce qui concerne la caractérisation de la partie interne de plantes de raffia, c'est-à-dire de matériaux pires, nous avons procédé à 7 essais, dont l'essai de détermination d'humidité, de masse volumique, de retrait volumique, de flexion 3 points, l'essai Bing, qui est un essai non destructif, l'essai de flexion, l'essai de compression et la mesure de la conductivité et diffusivité thermique. Ces différents essais ont été menés suivant les méthodes et les normes prescrites. Pour ce qui est enfin de la caractérisation du matériau sandwich lui-même, nous avons procédé à 6 essais. 6 essais ont été réalisés, dont l'essai de masse volumique, l'essai d'absorption et de gonflement en épaisseur, l'essai de flexion 3 points et de flexion 4 points, l'essai de compression, l'essai de cohésion interne, et nous avons enfin mesuré la conductivité thermique. Ces différents essais ont été menés et les résultats obtenus ont été analysés. Ensuite, nous avons essayé de faire des observations au microscope optique et au microscope à balayage électronique. La caractérisation des matériaux de base en ce qui concerne le matériau sandwich a fait l'objet d'un certain nombre de variables. Les variables d'études que nous avons utilisées concernent en réalité les constituants de ce matériau, à savoir les inclusions et la peau et l'âme. Pour ce qui est des inclusions, nous avons donc pris en compte la proportion des inclusions dans l'âme comme variable, la qualité du matériau inclusion que nous avons distingué deux et que nous avons baptisé R1 et R2, le rapport de l'épaisseur de l'âme par l'épaisseur de la peau et la qualité du matériau des peaux que nous avons distingué X1 et X2. Ensuite, nous avons considéré les conditions de mise en œuvre pour les conditions de travail réel du matériau sur le terrain, à savoir les conditions, par exemple, d'humidité ou bien de température à 70 degrés ou les conditions ordinaires. Ensuite, nous sommes passés à la modélisation des propriétés, des principales propriétés du matériau sandwich. Nous avons d'abord procédé à la modélisation de la rigidité en flexion, suivant donc une modélisation analytique. Ensuite, les contraintes de déformation ont été modélisées numériquement suivant le logiciel Abacus. Et nous avons modélisé la quantité thermique suivant donc une démarche analytique. Nous avons donc obtenu plusieurs résultats sur ces différents matériaux. Premièrement, sur les matériaux composites bois polystyrène. Nous avons constaté à la figure 8 qui présente donc la masse volumique, l'évolution de la masse volumique du matériau en fonction de la pression de compactage, que cette masse volumique augmente avec la pression de compactage et se stabilise à partir d'une certaine valeur de 758 kg par mètre cube pour une pression de 7 MPa environ. À la figure 9, nous montrons le comportement des caractéristiques mécaniques, en particulier en flexion, en fonction de la pression de compactage du composite bois polystyrène. On remarque que ces propriétés augmentent et se stabilisent à partir toujours de la pression de 7 MPa avec une valeur maximale atteinte ici de 7,84 pour la contrainte de rupture et le module élasticité qui a une valeur de 1309 MPa. Nous montrons ici à la figure 10 le comportement du composite lorsque nous avons incorporé des fibres et lorsque nous n'avons pas incorporé des fibres. Sur cette figure, le graphe que je suis en train de décrire ici concerne le composite bois polystyrène dans lequel nous n'avons pas incorporé de fibres. Et ce graphe, celui où nous avons incorporé de fibres, on a constaté que l'incorporation de fibres a agi donc sur le comportement du matériau et l'a amélioré. Nous constatons que la pente ici est plus faible que la pente dans le cas où le matériau a reçu de fibres et que la contrainte maximum pour le cas où il n'y a pas de fibres est plus faible que là où il y a de fibres, ce qui montre que l'incorporation de fibres a apporté donc de meilleures performances, de meilleures propriétés aux matériaux en question. Ces performances, en fait, sont réellement confirmées par l'observation au microscope électronique à balayage que nous avons faite et qui a montré que sur la photo 7, que les fibres incorporées adhèrent très bien au composite bois polystyrène, de sorte que nous constatons que la fibre étant ancrée est cassée donc dans cette zone-ci. Donc, effectivement, ce que nous avons constaté comme
amélioration de propriété s'est révélé vrai. Les résultats que nous avons obtenus sur les deux types de composites, bois polystyrène et bois plastique, sont présentés dans le tableau 7. Donc, nous observons par exemple que le composite bois plastique a une densité de 923,5 kg par mètre cube, une porosité de 20,9%, un taux d'absorption de 2,17% après 24 heures, un gonflement de pression de 2,7 après 24 heures, et des propriétés en traction, en compression et en flexion que nous présentons ici. Pour ce qui est du composite bois polystyrène, nous observons que ses propriétés, sa masse volumique varie entre 518 et 925 kg par mètre cube. Sa porosité est comprise entre 25,8 et 60%. Le coefficient de Poisson que nous avons déterminé donc pour ce composite varie entre 0,14 et 0,24. Sa contrainte à la rupture, par exemple, varie entre 2,1 et 10,5 mégapascal. Pour ce qui est du deuxième matériau, pire, c'est-à-dire la partie interne de plan de raffia, nous avons constaté que ses propriétés varient pour ce qui est de la masse volumique. Eh bien, il a une masse volumique moyenne de 147,4 kg par mètre cube avec une masse volumique basale, bien entendu, de 147,4 kg par mètre cube, une masse volumique anhydre de 161,2 kg par mètre cube, un retrait total de 9,36, et les propriétés en compression et en flexion sont présentées ici avec la conductivité thermique qui est de l'ordre de 0,061 watts par mètre Celsius. L'efficacité thermique est de l'ordre de 210,6 joules par seconde carré, par racine carrée de mètre par mètre carré, kilogramme par kilogramme Kelvin et par Kelvin également. Nous avons observé pour les faibles valeurs de masse volumique que nous avons remarquées sur ce matériau, nous avons essayé d'observer dans sa présentation, sa structure anatomique au microscope optique et nous avons constaté que ce matériau est constitué de vaisseaux. Et lorsqu'on a essayé de l'observer au microscope électronique à balayage, on a constaté que autour de ces vaisseaux-là, il y a des parenchymes qui l'entourent. Les parenchymes sont en fait une certaine matière qui est suffisamment léger et assez poreux. Et on remarque que ces vaisseaux-là sont entourés de fibres qu'on appelle de scléranchymes, qui pourraient donc participer à l'amélioration des propriétés mécaniques du matériau. Et c'est justement ce que nous avons constaté à titre de propriétés mécaniques que en flexion 4 points, ce matériau-là a un module d'élasticité de 2136,3 mégapascal et une contrainte de rupture de 19,1 mégapascal. Le module de cisaillement de Timoshenko est de 141,7 mégapascal. On observe que les coefficients de variation sont d'une certaine valeur remarquablement importante, de 24% par exemple, de 26% par exemple, de 32% par exemple. On comprend ce résultat parce que le matériau dont on dit la question ici est un matériau naturel dont les propriétés ne dépendent pas de celui qui le travaille. Pour ce qui est du matériau sandwich, nous avons observé à titre de ses propriétés que sa masse volumique varie bien entendu en fonction des différentes formulations que nous avons considérées suivant les variables d'étude que nous avons définies au préalable. On a remarqué que la plus faible masse volumique est de l'ordre de 5 à une valeur moyenne de 518,3 kg par mètre cube et la plus forte masse volumique observée est de 865,1 kg par mètre cube. Pour ce qui est de ses propriétés en flexion, on a constaté que à la figure 13, tel qu'il sort la figure 13, que lorsque le sandwich ne contient pas d'inclusion en matériaux pires, son comportement est de type quasiment fragile. Et lorsqu'on incorpore le matériau pire, son comportement se présente tel que décrit à la figure 14. À cette figure 14, on observe que le matériau présente dans un premier temps un comportement quasiment linéaire. Et après, il y a une rupture qui se prononce, une rupture qui correspond bien sûr à la rupture de la couche d'en bas, telle que présentée sur la photo ici, la couche d'en bas rond en premier. Ensuite, le matériau continue à porter des charges, puis qu'on a un second niveau de rupture. Et ce niveau de rupture concerne la rupture en fait de la partie en noir, la ligne en noir qui est en fait le composite bois plastique, c'est-à-dire le composite bois polyéthylène. Puis le matériau continue à prendre des charges
jusqu'à Rome définitivement. Et cette rupture concerne désormais les inclusions qui sont présentées. On a remarqué également que lorsque, on change de variante de matériaux constituant la couche, les couches extérieures, la capacité, c'est-à-dire la force que supporte le matériau augmente. Si ici nous avons utilisé un matériau dont la force est plus faible que celui qu'on a utilisé ici sur ce graphe à la figure 15. Donc nous constatons que la force de première rupture au niveau de la peau passe de 600 à 3000 newtons, ce qui montre qu'en changeant le matériau des peaux, le matériau sandwich final peut supporter davantage de force. En ce qui concerne les propriétés élastiques, nous présentons ici le module d'élasticité équivalent. Et en ce qui concerne les propriétés de rupture, nous présentons la force maximale de rupture du matériau sandwich. À la figure 16, le module d'élasticité équivalent en flexion du matériau sandwich se présente pour les différentes variables avec une valeur maximale qui est observée qui est de 2580,3 mégapascal et une valeur minimale qui est de 2330,6 mégapascal. Pour ce qui est de la force de rupture maximale, nous présentons ici la force maximale de rupture de lame et la force maximale de rupture de la peau. La force maximale de rupture de lame est présentée selon cette légende et la force selon cette légende et la force maximale de rupture de la peau selon cette légende. On constate d'abord que le matériau qui supporte le plus de charge est bien sûr le sandwich formé de 70% de raffia, 67% de matériaux d'âme en composite bois polystyrène, en composite bois polyéthylène, et avec une peau qui est constituée de matériaux composite bois polyéthylène, bois polystyrène le plus résistant et d'une épaisseur de 40 mm. Les plus faibles valeurs sont obtenues avec les matériaux d'épaisseur 24 mm et pour lesquels il n'y a pas d'inclusion, c'est-à-dire il n'y a pas de raffia qui soit incorporé, et pour un pourcentage de matériaux d'âme qui est de 50%. Nous sommes ensuite passés à la modélisation. Nous montrons donc ici les résultats que nous avons obtenus pour la modélisation. Pour cette modélisation, nous avons repris le matériau sandwich et nous avons défini certaines variables. Nous avons défini 5 variables. La première variable est ici baptisée alpha. Alpha représente en réalité le rapport de la largeur totalisée par les inclusions à la largeur totale qui est notée ici petit b du matériau sandwich lui-même. La seconde variable, c'est bêta. Bêta représente le rapport de l'épaisseur des inclusions par rapport à l'épaisseur de lame. Et la troisième variable, c'est gamma qui représente le rapport de l'épaisseur de lame par rapport à l'épaisseur totale de la peau. En ce qui concerne les variables matérielles, elles sont au nombre de 2 et nous avons donc le rapport de matériaux d'âme, c'est-à-dire de composés de bois polyéthylène, sa propriété en matière de rigidité, en matière d'élasticité par rapport au module d'élasticité de composite bois polystyrène qui constitue les peaux. Ensuite, nous avons défini gamma qui est la deuxième variable de matériel qui est le rapport du module d'élasticité de l'âme de l'inclusion par rapport au module d'élasticité de la peau. Nous avons donc constaté qu'après avoir travaillé toute la rigidité suivant la base de ce que la rigidité de la section du matériau sandwich est obtenue en faisant la somme des rigidités des matériaux composants, nous avons donc abouti à ce modèle mathématique qui est donc une équation de type non linéaire que nous avons essayé de simuler. Après avoir défini des cas limites, nous avons essayé de simuler pour voir un peu comment ce matériau-là se comporte. On a donc constaté que pour gamma égale à 0, la rigidité du matériau sandwich s'identifie à celle du composite qui forme les peaux. On a constaté que pour gamma égale à 1, cette rigidité du sandwich s'identifie à celle de lame. Pour alpha égale à 0, bêta égale à 0 et epsilon égale à petit delta, nous avons constaté que la rigidité du sandwich s'identifie à celle du matériau qui n'a donc pas d'éléments de raffia, c'est-à-dire des inclusions. La simulation de façon générale dans les conditions, par exemple, de epsilon égale à 0,5, gamma égale à 1 et de gamma égale à 0,5, nous a conduit donc à observer que pour les faibles valeurs de alpha, on remarque que quelle que soit la valeur de
bêta, eh bien, la rigidité du matériau sans doute ne change pas. Cette observation se constate aussi, même si on se situe au niveau des faibles valeurs de gamma, de bêta, et en faisant varier les valeurs de alpha. Les plus fortes valeurs de la rigidité s'obtiennent pour les plus fortes valeurs de alpha et de gamma qui se présentent donc ici. Lorsqu'on fait varier bêta et petit delta, on se rend compte que pour les faibles valeurs de bêta, quelle que soit la valeur de alpha, il n'y a pas de changement de valeur pour le module, pour la rigidité. Et lorsqu'on se situe au niveau des faibles valeurs de bêta également, de gamma également, de petit delta pardon également, on se rend compte que pour quelle que soit la valeur de bêta, il n'y a pas de changement. Par contre, lorsque bêta augmente, eh bien, les variations de petit delta engendrent de fortes variations de la rigidité du matériau sandwich. Nous avons essayé de modéliser l'état de contrainte et de déformation du matériau sandwich. Et nous l'avons fait pour trois types d'échantillons que nous avions définis au départ. Le premier type, c'est celui qui ne contient pas d'inclusion. Le deuxième, c'est celui qui contient une moyenne de 50% d'inclusion. Et le troisième, c'est celui qui contient le maximum d'inclusion qui est de 70%. Les deux figures qui sont ici, celle-ci et celle-là, concernent en réalité le deuxième matériau qui contient le maximum d'inclusion. Donc, nous présentons les deux cas extrêmes ici, là où il n'y a pas de toute inclusion et là où il y a le maximum d'inclusion. Alors, on remarque que là où il n'y a pas de toute inclusion, eh bien, la contrainte, le matériau présente de fortes valeurs de contrainte au niveau de la couche inférieure et rond ou une valeur de contrainte égale à 4,50 mégapascal qui correspond en fait à la contrainte de rupture du matériau qui a constitué la couche inférieure, c'est-à-dire le composite bois polystyrène. Pour ce qui est de la deuxième variante qui est présentée ici, nous constatons que la contrainte de rupture de ce matériau-là est de l'ordre de 10 mégapascal, ce qui correspond en réalité encore à la contrainte de rupture du matériau qui a été défini pour la couche inférieure, c'est-à-dire le composite bois polystyrène. On remarque particulièrement que sur cette aiguille-là, on a une zone qui n'est pas du tout sollicitée parce que la contrainte y est quasiment nulle. Cette zone constitue en fait le liant. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé donc de regarder un peu comment la contrainte du matériau se distribue à travers le composite. Ici, donc, c'est pour le liant et là, c'est pour les inclusions. Donc, à travers le liant, il n'y a pratiquement pas de contrainte qui soit supportée. Par contre, dans les inclusions, de fortes contraintes sont supportées. On remarque que les deux zones, la zone au niveau du liant est plus forte que la zone au niveau des inclusions. Ce qui montre que les inclusions ont participé à reprendre les charges appliquées aux matériaux sandwich. Pour ce qui concerne l'état de déformation, ici c'est bien sûr l'état de déformation, nous observons qu'on a eu certaines déformations au niveau de ce matériau et particulièrement au niveau des appuis, il y a une déformation locale qui est constatée. La même observation est faite pour la deuxième variante qui contient le maximum de parties internes de raffia où la déformation ici au niveau des appuis est apparemment importante. Nous avons essayé de modéliser également la conductivité thermique du matériau suivant deux approches. La première approche, c'était d'utiliser les modèles existants, en particulier la loi de mélange et le modèle de relais pour modéliser le comportement de la conductivité thermique de notre matériau sandwich. Le deuxième modèle que nous avons utilisé, c'est que nous avons essayé de nous baser sur une approche analogique de la résistance thermique pour pouvoir modéliser le comportement de notre matériau sandwich. Après modélisation, on s'est rendu compte que le modèle de relais associé au modèle à la loi de mélange a donné donc deux valeurs de conductivité qui divergent, qui sont présentées ici telles que je l'ai décrit, qui divergent selon donc la quantité de matériaux pire, c'est-à-dire de raffia, à l'intérieur des composites. Remarquons que depuis ici, jusque-là, dans ce sens-ci, la quantité de raffia à l'intérieur des différents composites augmente. Donc, selon que la quantité de matériaux pire augmente, on observe qu'il y a une divergence et une augmentation progressive de la conductivité thermique du matériau sandwich. Et on observe également que cette valeur de conductivité sont carrément écartées des valeurs de conductivité que nous avons pu obtenir expérimentalement
qui sont donc présentés ici en pointillés. Alors, pour ce qui est du second modèle, c'est-à-dire le modèle basé sur l'analogie qui est faite des résistances thermiques, on a constaté que les valeurs de quantité obtenues sont très proches de celles expérimentalement déterminées. Nous avons donc conclu que le modèle basé sur l'approche analogique est valide pour notre matériau. Nous avons donc essayé de simuler ce modèle à partir de l'équation mathématique qui a été établie, où nous avons cinq variables qui sont celles qui ont été définies, à savoir alpha, bêta, alpha, bêta et gamma, et ici deux nouvelles variables qui sont oméga et phi. Oméga, en fait, représente le rapport de la conductivité thermique de composite bois polyéthylène dans l'âme du matériau sandwich à la conductivité thermique de matériaux des peaux, c'est-à-dire le composite bois polystyrène. Phi représente le rapport de matériaux pires des inclusions à la conductivité thermique des inclusions à la quantité thermique du matériau des peaux, c'est-à-dire le composite bois polystyrène. En simulant cette équation-ci, nous avons constaté que pour les faibles valeurs de alpha, quelles que soient les variations de bêta, eh bien, la quantité thermique du matériau ne change pratiquement pas. Par contre, pour les faibles valeurs de alpha, pour les fortes valeurs de alpha associées aux fortes valeurs de bêta, on remarque que eh bien, la quantité thermique diminue de façon considérable et pendant son minimum pour les valeurs de alpha et bêta égale à 1 égale à 1. Lorsque nous avons fait varier la quantité thermique du matériau sandwich en fonction de oméga et de phi, toutes autres variables étant fixées. Par ailleurs, on a remarqué que pour les faibles valeurs de oméga, eh bien, quelle que soit la valeur de phi, la quantité thermique du matériau sandwich ne change pas. Par contre, lorsque oméga varie, eh bien, on va constater que le matériau sandwich change, et ceci de façon pratiquement indépendante de la valeur de phi. Nous présentons ici le tableau qui montre donc, pour comparaison, les propriétés du matériau sandwich comparé donc avec les propriétés du tricouche. Le tricouche, je le disais tout à l'heure, c'est le matériau sandwich, mais sans inclusion. Nous avons comparé le matériau sandwich avec inclusion au matériau sandwich sans inclusion. Nous avons donc fait cette comparaison sur la base du module d'élasticité équivalent spécifique et de la contrainte de rupture spécifique. On a constaté que le gain, déjà en termes de masse volumique, est très important au niveau des matériaux sandwich et qui donc prend une valeur plus grande, la valeur la plus grande pour le matériau sandwich qui comporte le maximum d'inclusion. On a également remarqué que le gain en module d'élasticité équivalent spécifique est plus important au niveau donc de ce même matériau, de ce même modèle, de ce même échantillon, qui est donc d'une valeur de 237,1%, c'est-à-dire que le gain en module d'élasticité est plus de deux fois supérieur à celui de matériaux sandwich sans inclusion. Le même constat est observé avec la contrainte spécifique qui est aussi multipliée par plus de deux fois par rapport aux matériaux des couches. Nous avons comparé les propriétés mécaniques spécifiques du sandwich avec celles de ses constituants, c'est-à-dire les matériaux de peau, le matériau de peau composite bois polystyrène et le matériau et le liant qui est le composite bois plastique, c'est-à-dire bois polyéthylène. Nous avons constaté que, en prenant toujours ce matériau-ci en référence, c'est-à-dire la tricouche en référence, on a constaté un gain en poids de 42,9% et un gain en module d'élasticité équivalent spécifique de 5 fois et un gain en contrainte spécifique de plus près de 2 fois. Nous avons essayé de comparer les propriétés mécaniques du matériau sandwich étudié avec celles de matériaux similaires de la littérature. On a constaté que les matériaux que nous avons constitués présentent de bonnes propriétés spécifiques, de bonnes propriétés par rapport à ces matériaux de la littérature. En particulier, en comparant le matériau sandwich élaboré par Bellassoni en 2016 avec son associé à nos matériaux sandwich, on a remarqué donc que le module d'élasticité,
le module de l'acier équivalent de ce matériau est de l'ordre de 1256,8 mégapascal, alors que nos matériaux présentent des modules d'élasticité d'air jusqu'à 3077,5 mégapascal. Pour ce qui est du sandwich présenté par Abawi 2014, nous avons constaté que déjà du point de vue module d'élasticité, nous obtenons pour le modèle, le matériau de Abawi, une valeur qui est comprise entre 458,04 et 652,67, alors que nous ici, nous avons pu obtenir un module d'élasticité qui est de l'ordre de 2695,9. Pour les autres matériaux également, nous observons que nos matériaux présentent de meilleures performances. Les propriétés de notre matériau ont été également comparées à celles de matériaux du point de vue de la conduite thermique. Nous avons donc observé que pour le composite de le contreplaqué présenté par Pastori et collaborateurs en 2011, la conductivité thermique qu'ils ont obtenue est de 0,148, alors que nos matériaux présentent déjà pour la gamme, pour l'échantillon de 60, qui contient 70% de patente de raffia, une quantité thermique comprise entre 0,106 et 0,115 watts par mètre degré Celsius. Nous avons observé également que le contreplaqué, le panneau medium density fiber, c'est-à-dire à densité et moyen, le panneau OSB de Kawasaki et Kawai, qui se l'ont présenté donc en 2006, sont de l'ordre de leur quantité thermique est de l'ordre de 0,120, alors que pour nos matériaux, nous avons déjà une quantité thermique qui varie donc globalement entre 0,106 et 0,169, ce qui montre que le matériau que nous avons demandé, c'est-à-dire le matériau sandwich, présente en réalité de bonnes propriétés en termes de conductivité thermique par rapport à bien de matériaux de la littérature qui sont déjà connus pour les applications dans la construction, en particulier le bâtiment. Excellences, Monsieur le Président du jury, honorables Messieurs les membres du jury, nous allons conclure en rappelant que l'objectif de départ de notre travail était d'élaborer un matériau de type sandwich, un éco-matériau de type sandwich à base de composites de bois, de déchets plastiques et d'éléments provenant de ressources naturelles qui est ici le matériau pire à l'aide de technologies localement disponibles. Dans ce travail, nous avons donc pu constater que les propriétés des composites CPPO que nous avons élaborés ont été évaluées et désormais sont connues. Les propriétés des CBPL, c'est-à-dire les composites bois polyéthylène que nous avons élaborés, ont été évaluées et sont désormais connues. Les propriétés de la patente de raffia également sont évaluées et désormais connues. Et nous avons pu constater qu'un nouveau modèle de matériau sandwich a été conçu, élaboré et réalisé. Et ces propriétés ont été évaluées et sont désormais connues. Ces principales propriétés mécaniques et thermophysiques ont été également modélisées. Et le matériau sandwich présente des performances meilleures à celles de bien d'autres matériaux similaires connus pour les applications dans la construction. Nous estimons, sur la base de ces différents résultats, que notre objectif principal est atteint. Cependant, le matériau reste perfectible parce qu'il y a encore bien d'autres propriétés qui doivent pouvoir être étudiées. Nous pensons donc pouvoir améliorer dans le futur par ces propriétés. Nous pensons les améliorer dans le futur en améliorant les procédés de fabrication des composites de base, en améliorant les propriétés particulièrement donc des composites de bois polystyrène en traction, par optimisation par rapport aux variables de formulation de fabrication et par utilisation d'agents de couplage avec des fibres végétales. Nous pensons également étudier la durabilité conférée de matériaux pires, ensuite étudier le comportement de ces matériaux, du matériau sandwich sous des contraintes hygrothermiques. Enfin, nous pensons étudier le comportement rhéologique de nos panneaux sandwich. Excellences, Monsieur le Président du jury, on a Monsieur le Président du jury, nous venons à la fin de notre présentation. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers amis, vous avez suivi la présentation.
On n'entend rien du tout. On va vous laisser la parole pour que vous nous dites quels sont les commentaires que vous avez pour ce travail qui est réalisé. Je vous laisse la parole. Excusez-moi, j'ai très mal entendu ce que vous dites. Hein. J'entends bien, là, j'ai bien entendu ce qu'a dit le candidat, mais j'entends pas j'entends pas du tout ce que disent les membres du jury. Moi aussi, professeur Fouget, ne reçoit rien de bon, alors que le candidat, j'ai tout entendu. Merci. Moi, c'est M. Aoué depuis Brazzaville. Vraiment, j'ai bien suivi l'exposé du candidat, mais ce que les membres du jury disent, vraiment, je n'ai rien entendu là. Ça passe pas. Donc, il faut améliorer. Les membres du jury ne disent encore rien. Nous disons que vous avez dressé un rapport par rapport à ce travail, que nous vous donnons en premier la parole. Que vous puissiez présenter vos commentaires par rapport au travail qui a été présenté. Je vous laisse la parole, monsieur Owen. Oui, oui, merci. C'est à moi la parole. Bien, c'est à vous, M. Aoué, la parole. Merci, M. le Président. Bon, je crois que je vous avais envoyé le rapport, comme rapporteur externe. Donc, je vais épargner un peu le temps. Je ne vais plus lire ce rapport. Mais je viens de suivre l'exposé du doctorant. J'aurais quelques... Parce qu'après, entre-temps, j'ai eu contact avec lui au téléphone. Donc là, je viens de suivre son exposé. J'aurais donc deux préoccupations. La première, de mon intervention, va aller dans le cadre de l'amélioration du document. Et ensuite, j'aurais seulement une seule question à lui poser. Bon, donc, je vais commencer par la question. Vous avez fait tout ce travail-là, j'ai suivi votre exposé, vous avez même dit que les résultats que vous avez trouvés sont même meilleurs que ce que l'on trouve dans la littérature. Mais ce que j'attendais, parce que quand vous avez fait ce travail-là, c'est pour qu'il soit appliqué d'abord chez vous au Bénin. Mais dans votre exposé et dans votre document, nulle part, j'ai vu là où vous avez fait des recommandations pour utiliser ce que vous avez obtenu comme résultat. Hein, ça dit qu'un peu les recommandations. Ah, donc, s'il n'y a pas de recommandations, c'est comme si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez eu, alors que vous avez eu des bons résultats. Alors, dans le cadre de l'amélioration du document, je disais que vous utilisez les déchets de bois. Bon, je ne suis peut-être pas spécialiste en bois, mais je travaille dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques physico-mécanique aussi des matériaux. Alors, j'aimerais un peu savoir, est-ce que le travail que vous avez fait là
ça peut marcher pour n'importe quel type de déchets de bois. Parce qu'à ce que je sache, pour nous qui sommes dans la construction, par exemple, pour construire un pont, on ne prend pas n'importe quel type de bois, mais il y a des bois qui sont recommandés, par exemple, pour construire, pour faire la construction. Il y a des bois qu'on n'utilise pas dans la construction. Est-ce que si on prend les déchets des bois que l'on utilise dans la construction, si on prend les déchets de bois que l'on n'utilise pas dans la construction et que si on faisait, par exemple, ce mélange, est-ce qu'on va obtenir le même résultat? Alors, sinon, si vous n'avez pas fait, donc, alors, il faudrait spécifier d'abord le type de bois que vous avez utilisé ici. Parce que le travail que vous avez fait, quelqu'un d'autre peut le faire ici. Par exemple, au Congo, nous avons plus de 200 espèces de bois. Alors, donc, il trouvera aussi d'autres résultats. C'est comme les résultats que vous avez eu, vous avez dit, ces résultats-là sont meilleurs par rapport à ce que l'on, par rapport aux résultats, enfin, ça dit que les résultats mécaniques que vous avez eus, par rapport à ce que l'on trouve dans la littérature. Mais vous n'avez pas travaillé sur le même type de bois qui a les mêmes caractéristiques physico-mécaniques, hein, le bois naturel. Bon, l'autre partie, puisque vous l'avez renvoyé un peu comme dans les perspectives, parce que dans votre exposé, moi j'attendais à ce que dans vos formulations, quand vous avez fait des formulations, mais c'était d'abord ressortir la teneur optimale, c'est-à-dire la formule optimale, où on dit, bon, c'est telle quantité de bois, et puis ensuite, j'ai eu telle quantité de lion. Alors, à partir de ce moment, les essais, par exemple, mécaniques, en flexion ou en compression, ou encore surtout la porosité, parce que là, vous dites que la porosité augmente, peut-être ça allait diminuer. Bon, or, là aussi, dans ce travail-là, je n'ai pas vu, mais vous l'avez envoyé comme en perspective. Je crois que ça, on avait déjà discuté avec vous. C'est un peu, j'ai voulu un peu comme ici montrer aux membres du jury qui sont dans la salle que c'est cette discussion-là, je l'avais déjà eue avec le doctorant ici présent et il m'avait rassuré que, ça dit qu'à la langue, il y en a d'autres qui feront. Il a énuméré ça même dans les perspectives. Alors donc, c'est un peu, c'était ça ma préoccupation. Je ne sais pas si vous avez compris et que si vous pouvez donner et répondre à ces préoccupations-là. Mais remarque que j'avais déjà fait déjà dans le premier document, ça dit que dans mon rapport, ça reste valable. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Donc, nous avons suivi cette terre. Ainsi procède son travail et l'amélioration qui évoque le type de déchets pourrait s'appesantir en particulier sur le type de bois utilisé parce que vous dites que dans la construction des bois qui sont conseillés, d'autres ne le sont pas et on va une précision. Les agences que ce concerne la formulation, est nécessaire aussi de garder ce que c'est le mot, c'est la possibilité, là la qualité, avec les préjugés, et c'est la parole du candidat pour soumettre à vos questions. Merci, Monsieur le Président du jury. Permettez-moi de commencer par dire que je n'ai pas bien saisi la troisième préoccupation. Les deux premiers, je les ai saisis, mais la troisième. D'accord. Pour ce qui concerne la deuxième préoccupation, où il était question de spécifier le type de bois qui est utilisé. Oui. Pour ce qui concerne la deuxième préoccupation, qui est de préciser le type de bois utilisé pour former ou pour constituer les matériaux que nous avons élaborés, et nous pensons que ces précisions avaient été données ou sont données dans le document. Il s'agit principalement de trois types de bois. Ces bois-là sont des bois d'œuvre. Dans le travail que nous avons fait ici, il n'y a que des bois qui comptent. Les trois bois d'œuvre qui sont donc pris en compte sont l'Abzelia africana, qui on appelle souvent Abzelia, le Tech Noir Grandis, qu'on appelle souvent le Tech,
et le Mélina arborea, qu'on appelle souvent Mélina. Donc, ce sont les trois bois d'œuvre qui sont utilisés dans le contexte de notre travail. C'est le CU qui sont utilisés. Donc, ce n'est pas n'importe quel déchet qui est utilisé. C'est plutôt particulièrement le CU, c'est-à-dire la farine de bois qui émane de la scie circulaire ou de la scie à ruban lorsqu'on procède au débitage de matériaux bois. En effet, nous-mêmes, nous avons remarqué que pour les différentes propriétés que nous avons obtenues, ces propriétés-là dépendent de l'espèce de bois. Nous l'avons dit rapidement dans nos résultats sur le composite bois polystyrène. Lorsqu'on change l'espèce, les propriétés changent. Donc, on ne peut pas espérer avoir les mêmes résultats ou les mêmes valeurs de propriétés pour d'une espèce à une autre. Donc, il y a des espèces qui seront donc bien appropriées pour telle ou telle autre propriété. Est-ce que vous avez essayé trois espèces de bois? Est-ce que vous pouvez limiter ces espèces seulement? Exactement, oui. On doit limiter la qualité de nos matériaux aux propriétés de ces espèces-là. Entendu, et il a dit qu'il n'y avait pas de documentation en ce qui concerne l'utilisation de l'écho matériau que vous avez essayé de sortir. Oui. En effet, la recommandation n'a sûrement pas été directement faite, explicitement faite, mais nous avons précisé dans la dernière partie de la présentation et dans le document aussi que le matériau que nous avons élaboré, suivant une certaine variante ou certaines variantes, eh bien, présente des propriétés meilleures à d'autres matériaux qu'on connaît déjà pour leur utilisation dans les applications du bâtiment, en particulier les cônes plaqués qui sont utilisés dans diverses parties de bâtiments. Bon. On va revenir dessus. Parce que vous dites que vous prenez la méthode, ce que vous proposez, c'est une qualité meilleure que cela. Vous voyez, sans être forcément très spécifique, ce sont les gens qui me disent qu'il y a un matériel qui est la même chose. Parce que la société est là. C'est pas le contexte, parce que la société est là. Excusez-nous, on entend assez mal, on continue à quand même entendre très mal ce que dit le jury. Tout à fait, pour moi aussi, professeur Fougette, quand le jury parle, je n'entends rien. Mais quand l'impétrant parle, j'entends tout parfaitement. Et le professeur du Congo parfaitement aussi, ce qu'il a dit, j'ai très bien entendu. Merci. La même remarque pour moi aussi. J'entends très bien ce que le jury dit, mais ce que le doctorant dit, mais ce que le jury dit, je n'entends pas là. Bien. Avec ce micro, vous m'entendez? Ok, donc je change de micro et je pense que le son de monsieur le clôt devrait vous parvenir. J'ai dit, vous avez subi les réponses qui ont été par Amadi. Je voudrais que le professeur Aoué, l'auteur de cette question, apprécie et commente la réponse que le candidat a donnée. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis satisfait des réponses que le doctorant a données. Bon, mais c'est seulement sur. J'ai parlé de l'optimisation du mélange. Là, je n'ai pas obtenu la réponse. Parce qu'il a parlé de formulation. Il a eu à faire des formules. Mais dans les formules qu'il a eu à utiliser là,
quelle était la meilleure formule parmi la, puisqu'il a exposé là, il a parlé de plusieurs formules. Donc j'aimerais bien savoir dans tout ce qu'il a dit, donc la meilleure formule, il doit me dire, bon, voilà, avec, quand j'ai mélangé ça à ça, par rapport à l'autre là, j'ai obtenu les meilleurs résultats, et s'il y a des meilleurs résultats, c'est que c'est la meilleure formule. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il a suivi en direct votre question, qu'il a bien entendu. Vous avez insisté sur la nécessité de parler de la formulation, en précisant le valeur extrême qui permet de retenir une bonne qualité. Je vais arriver dessus. Je laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous avons particulièrement élaboré plusieurs matériaux. Le premier matériau, c'est le CBT, le composite de bois polystyrène. Pour ce composite de bois polystyrène, la variante qui a présenté les meilleures propriétés est cette variante qui est élaborée à partir de la ciure de bois d'Axélia dans une proportion où la quantité de ciure dans la matrice qui est la colle de polystyrène était de 30%. Pour ce qui est du matériau sandwich, nous avons constaté que la variante qui donnait les meilleures propriétés, comme l'avons dit à la fin de la présentation, c'est cette variante qui contient le maximum d'inclusion, c'est-à-dire 70% d'inclusion et 67% de liant pour une épaisseur de 40 mm. Voilà la réponse que nous pensons. Alors, merci, Monsieur le Président. Bon, une question seulement de curiosité. Puisque vous avez parlé de la porosité qui augmente quand on a fait les essais de porosité, c'est ça? Alors, si la porosité augmente, est-ce que vous ne pensez pas que si on augmentait la teneur en liant, peut-être après, ça pouvait compenser ça? Et ça pouvait compenser, réduire la porosité? Dans vos essais, vous avez dit les essais de porosité, c'est-à-dire que l'absorption d'eau augmente. Mais est-ce que si on augmente la teneur en liant des plastifiants, ça ne va pas diminuer la porosité? Est-ce que vous avez essayé un peu de penser à cela? Oui, nous y avons pensé. En effet, la porosité du matériau composite bois polystyrène est essentiellement inhérente, c'est-à-dire liée au procédé de fabrication utilisé. Le procédé de fabrication ici, c'est le moulage par compression à froid. Donc, le composite, initialement, est à l'état foisonné. On essaie de le prendre, on le met en moule et on le compacte. Donc, tout dépendra du niveau de compactage, c'est-à-dire de la pression de compactage utilisée. Nous avons montré tout à l'heure que la pression de compactage qui donnait les meilleures propriétés, c'était 7 mégapascales. Alors, donc, selon le niveau de compactage, la porosité va varier. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le lion, c'est lui qui sert les particules, les déchets de l'autre là. Donc, il doit avoir peut-être une teneur en lion. Si c'est un peu plus, ça va réduire. Parce que quand vous mettez la teneur en lion, vous avez parlé de 67%. Et puis les déchets, je crois, parce que dans 100%, il y a une partie de déchets et puis ensuite une partie de lion. Bon, ça dit que ce n'est pas maintenant là, mais c'est un peu pour améliorer le document à l'avenir, puisqu'il y a des perspectives. Quand vous allez faire, peut-être après, vous aurez des publications à faire. Mais il faudrait essayer un peu de voir là, par rapport à la quantité de lions. Parce qu'effectivement, si peut-être il y a plus de lions, la compression aussi, il va se poser un problème. Bon, comme vous ne l'avez pas fait, c'est un peu des idées que j'ai voulu, comme ça, là, déjà vous donner pour que prochainement, vous puissiez les utiliser. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il a répondu à toutes mes questions. Merci. Très bien, nous allons à présent quitter le Congo Brazzaville pour nous rendre on sera en France. Donc on va trouver le professeur Joseph Pri, directeur de recherche à l'Université Clermont Belge. Et on va nous dire
quels sont ses commentaires, quelles sont les réflexions qu'il a par rapport à la thèse qu'il a établie, le rapport au professeur directeur. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je dois dire que j'ai lu avec un très grand intérêt ce document, le document, et j'ai écouté aussi avec beaucoup de plaisir la soutenance. Bon, je trouve que ce travail est un bon exemple à la fois d'un travail rigoureux et professionnel au niveau expérimental et au niveau modélisation, combiné avec des applications qu'on dirait frugales, c'est-à-dire réussir à faire des choses qui marchent avec des moyens restreints. Et je trouve que cette combinaison est tout à fait remarquable et exemplaire. Alors, j'ai déjà fait, comme mon prédécesseur, je ne vais pas reprendre tout ce qui est dans mon rapport. Je peux dire juste qu'il y avait dans le rapport, j'avais constaté des qualités pédagogiques, un effort pour être clair et tout bien expliqué. Et cela se retrouve tout à fait dans l'exposé qui était très bon, très, très pédagogique. Je vais donc poser quelques questions et avoir quelques échanges avec le candidat parce que je pense qu'il y a matière à discussion et c'est très intéressant. D'abord, j'ai une question préliminaire. J'ai reçu ce matin une nouvelle version du document du mémoire. Donc, j'ai constaté qu'elle était organisée différemment de la précédente, celle sur laquelle j'avais fait le mémoire. Alors, bon, ce que j'ai remarqué avec un coup d'œil rapide, c'est que dans la version initiale, les aspects d'état de l'art étaient répartis dans les différents chapitres ou les différentes parties, ce qui personnellement ne me dérangeait pas spécialement, mais dans la nouvelle version, elles ont été rassemblées dans une partie initiale. Bon, ça, pour moi, les deux sont tout à fait valables. Mais je voulais savoir s'il y avait d'autres modifications, juste parce que là, je n'ai pas eu le temps de lire en détail le plan, de comparer les deux plans. Et je voulais juste que vous me disiez s'il y a eu des modifications un peu plus sur le fond ou sur d'autres aspects entre les documents. Juste savoir quelles sont les différences principales. Y a-t-il autre chose que cette répartition différente de la biblio? Oui. Merci, Monsieur le Président du jury. Je pense que dans le fond, il n'y a pas de modification. Les deux fonds restent les mêmes. Par contre, dans la forme, la première version présentait six chapitres. Et suite aux recommandations d'un des rapporteurs, je veux parler précisément du professeur Foudiet, il m'avait été demandé de refondre tout le document en trois chapitres. Donc, j'ai passé le temps à le faire. Et c'est le résultat de ce travail que vous avez reçu ce matin. Donc, dans le fond, il n'y a pas de différence. C'est juste une restructuration du document. Merci. Donc, je voulais rassurer, on parle bien finalement du même contenu. J'en profite pour dire que je serais intéressé à l'occasion à recevoir les rapports de l'autre rapporteur et aussi de M. Foudjet qui a aussi rapporté sur le travail. Donc, ça, juste par curiosité, ça m'intéresserait de les avoir. Petite information. Mais il n'y a pas d'urgence. Alors maintenant, je vais entrer dans la discussion sur le travail. On a parlé il y a eu des questions sur les différentes essences. Donc, je voudrais reprendre cette question d'une autre manière. Effectivement, il y a trois essences qui ont été utilisées et les propriétés de la peau vont en dépendre, essentiellement. Les propriétés des polymères des composites vont en dépendre, des composites bois polymères vont en dépendre. Vous avez dit que si on prend d'autres essences, on n'aura pas d'aussi bonnes propriétés, les meilleures propriétés vont être obtenues pour Absenia.
Mais moi, j'ai une question en prenant la question de l'autre côté, c'est-à-dire la question des applications qui a été juste évoquée et pas très bien explicitée dans la thèse, effectivement. En fait, une propriété est bonne par rapport à une application. Donc là, vous avez dit, vous avez fait référence aux usages en construction, par exemple, de type similaire, genre contreplaqué ou des choses comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la rigidité en flexion? Est-ce que c'est l'isolation thermique? Est-ce que c'est le cisaillement du panneau qui doit jouer un rôle de contreventement? Quelles sont les propriétés désirables? Est-ce que c'est d'ailleurs des panneaux ou des poutres? Voyez, voilà, toutes ces questions. Est-ce que le produit qu'on vise est une poutre ou fonctionnerait plutôt en poutre ou en panneau? Donc apparemment c'est plutôt panneau, mais voilà, quelles sont les propriétés visées et par rapport à ces propriétés visées, quels sont les bons matériaux à mettre? Je pense que le choix de l'essence devrait résulter d'un travail inverse, c'est-à-dire en fonction de l'objectif à obtenir, il faut chercher la bonne composition. Voilà, si vous pouvez m'éclairer sur le lien entre l'application et les choix des composants. Par exemple, je vais faire une petite précision. Par exemple, dans les essences, vous avez, je crois que j'ai cru entendre dire qu'au Bénin, vous avez aussi des résineux. Hein, vous n'avez pas que des feuillus, vous avez aussi des résineux. Est-ce que des déchets de résineux auraient pu être utilisés? Est-ce qu'ils auraient présenté des intérêts? Ils auraient été moins durs, hein, mais ils auraient peut-être eu d'autres avantages. Voilà. Bon, alors, très bien. Je vais vous formuler la question du professeur. Il dit ceci. Lorsque vous menez les essais, est-ce que vous indiquez très clairement quelles sont les propriétés que vous souhaitez avoir? Est-ce que l'analyse va être complète, s'appuie sur les propriétés thermiques ou bien sur des rigidité, par exemple, en flexion, là, ou bien si le comportement thermique, ou d'autres choses, parce que dans la marche de votre travail, il faut pouvoir dire que la comparaison doit se faire soit sur les thermiques, ou bien si les thermiques ont parlé notamment de flexion, autre chose. Pour ça, c'est à peu près ce que Voilà. Oui, effectivement, les propriétés qu'on essaie de déterminer sur les matériaux doivent être intrinsèquement liées aux applications qu'on veut en faire. Et c'est justement ce qui nous a poussé tout à l'heure pendant la présentation à présenter les propriétés mécaniques et dans ce cadre à indiquer les matériaux qui peuvent donc être comparés à nos matériaux du point de vue propriété mécanique. Ensuite, nous avons essayé de présenter la conductivité thermique et les matériaux qui peuvent être comparés du point de vue de cette propriété-là à nos matériaux. Oui, mais moi, je vais préciser ma question. Alors, si vous aviez, pour le choix des trois essences, vous avez choisi trois essences parce qu'elles sont dures. Qu'est-ce que ça vous apportait qu'elle soit dure? Meilleure rigidité? Meilleure conductivité thermique? Meilleure durabilité? En réalité, nous avons choisi ces trois essences parce que ce sont les essences qui sont les plus utilisées comme bois d'œuvre en République du Bénin, c'est-à-dire les essences qui sont de notre côté. D'accord. Est-ce que si vous aviez utilisé d'autres... c'est les seules les plus utilisées pour la construction, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça. D'accord, ok. Bon, maintenant, je vais vous poser alors une question plus sur sur la caractérisation mécanique, la modélisation, en lien avec ça. Alors, je suppose que dans vos modèles, les matériaux sont isotropes, du moins la peau
dans le modèle numérique, vous avez, ou analytique, vous avez considéré des matériaux isotropes pour la peau et pour le liant, je suppose, ou je me trompe. Et qu'en est-il du raffia? Qu'en est-il de raffia, c'est-à-dire est-il isotrope? Est-ce que vous l'avez isotrope? Non, le raffia n'est pas isotrope. Oui. Vous avez mis quoi comme propriété dans le modèle? Des propriétés anisotropes? Je pourrais essayer de répondre à ça. Pourquoi ça s'applique à l'eau sur les autres types de séparation? Oui, j'entends pas très bien ce que vous dites, mais j'entendrai ce que va me répondre le candidat. Oui, effectivement, les matériaux que nous avons ne sont pas isotropes. Or, il faut bien que les matériaux soient isotropes pour que les lois mathématiques puissent s'appliquer. Ce que nous avons fait, c'est que pour le cas, par exemple, de la conductivité thermique, nous avons mesuré cette conductivité dans une seule direction de flux de chaleur. C'est-à-dire pour le cas de la partie interne de raffia, qui est un matériau, on peut dire lieu, c'est dans la direction transversale au fil du bois, au fil de ce raffia, que nous avons mesuré la conductivité thermique. Pour ce qui est des propriétés mécaniques, c'est toujours dans la même direction transversale que nous avons fait les mesures, en particulier en flexion. Les charges qui sont appliquées sont perpendiculairement donc appliquées à la direction principale donc, du raffia, et donc forcément à la direction principale du panneau sandwich. Donc, c'est ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait, c'est dans une seule direction, direction transversale. En effet, nous avons choisi cette direction parce que les panneaux que nous avons mis, nous avons élaborés, vont être utilisés dans une certaine disposition. C'est des panneaux. Donc, les charges qui vont leur être appliquées doivent être perpendiculaires à leur grande surface. C'est la raison pour laquelle c'est dans cette direction-là que nous avons fait les différentes mesures. Donc, professeur, vous avez entendu? Oui, j'ai très bien entendu la réponse. Merci. Pourquoi avez-vous mesuré des propriétés de flexion? Pour les propriétés de flexion, vous n'avez pas donc vous pensiez à la flexion dans quel sens? Puisque si je comprends bien, le composite est anisotrope, puisqu'il y a la direction principale du raffia est a priori plus rigide. Enfin, la direction dans laquelle le raffia est placé est a priori un peu plus rigide que la direction transverse en flexion de plaque. Hein. Donc, vous avez fait la flexion dans quelle direction? Oui, nous avons fait l'essai de flexion en chargeant le panneau dans la direction perpendiculaire au fil du raffia. Parce que, étant un matériau lié, c'est dans cette direction-là qu'il présente, il offre le maximum de son potentiel en termes de capacité portante, la capacité de charge. Donc, c'est dans cette direction perpendiculaire au fil du bois, au fil du raffia, que nous avons donc charger le matériau. Vous pensez que c'est plus rigide dans cette direction que dans l'autre direction, que dans la direction dans le sens du raffia? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Comme on connaît des matériaux lieux, ils offrent leurs meilleures propriétés dans la direction orthogonale aux fibres de bois, s'ils travaillent en flexion. Ah bon? Mais pourtant, j'aurais mis ma main à couper que c'était plus rigide dans le sens de la disposition des fils de raffia, des tiges de raffia. Oui, c'est-à-dire que si nous prenons un échantillon, par exemple, une règle de section 2x2 sur une longueur de 36 cm et que nous chargeons en flexion, ça suppose quoi? Ça suppose que les appuis extrêmes sont donc aux deux extrémités de l'échantillon, de la règle, et la charge qui va être appliquée, si c'est en flexion 3 points par exemple, ce sera appliqué au milieu. Alors, cette charge est perpendiculaire.
cette charge est perpendiculaire au filet du bois. Et donc, de cette façon-là... Mais d'accord. Attendez, dans ce cas-là, je suis d'accord que la charge est perpendiculaire au filet du bois, mais la contrainte mécanique, elle est dans la contrainte mécanique qui en résulte, est dans le plan du produit. Elle n'est pas dans le sens où on applique la charge. Oui, tout à fait. On sait que lorsque... C'est la contrainte, mais la contrainte, je parle de la direction de la contrainte, pas de la direction de la force appliquée. Est-ce que vous intéressez, est-ce que c'est la contrainte dans le sens du... Vos essais de flexion sont-ils faits dans le sens du fil du raffia ou dans le sens orthogonal au fil du raffia? La contrainte. En fait, lorsqu'on charge une pièce du genre en flexion, les fibres qui sont en dessous de la ligne neutre travaillent à la traction. Et celles qui sont dessus travaillent à la compression. D'accord. La charge qui est appliquée est orthogonalement appliquée. Oui, d'accord. La charge appliquée. Oui, d'accord. OK. Je comprends. Mais vous n'avez pas testé des plaques dans le. Je veux dire, vous n'avez pas fait d'échantillons où la flexion produirait une contrainte transverse au sens du fil de fil de raffia. On est bien d'accord. Est-ce que vous voyez une plaque? Je parle de la plaque. Vous pouvez la fléchir dans deux sens. Soit les rouleaux sont orthogonaux au sens du raffia, soit les rouleaux sont parallèles au fil du raffia. Vous voyez ce que je veux dire? Vous auriez pu les charger dans les deux, une plaque. Vous auriez pu la charger dans les deux sens. Et je suppose que vous avez fait un et vous n'avez fait qu'un des deux sens. Vous avez fait le premier. Oui. Oui, en fait, on ne pouvait pas faire dans le premier cas parce que la section des branches, des rachis de raffia que nous avions était d'une largeur maximum de 7 cm. Et la hauteur de cette section, c'était au maximum de 5 cm. Du coup, il n'y a pas de travail de chargement à faire dans l'une de ces deux directions de la section. C'est la raison pour laquelle le chargement a été fait uniquement dans le sens du fil de raffia. D'accord. Mais dans les utilisations, on est d'accord que la plaque que vous allez obtenir n'a pas les mêmes caractéristiques en flexion dans une direction et dans l'autre direction. Vous n'avez testé que la plus rigide des deux. On est bien d'accord? Oui, bien sûr. C'est dans une seule direction. Et ce sont les inclusions qui sont utilisées ici. Ça veut dire que ceci ressent davantage le sens dans lequel les charges doivent être appliquées au panneau pour qu'on puisse l'utiliser de façon optimale. D'accord. Alors maintenant, je reviens sur ma question. Dans la modélisation que vous avez faite, vous avez mis des propriétés des matériaux que vous avez mesurées. Et je veux dire, comment avez-vous introduit pour le raffia des propriétés anisotropes, orthotropes ou anisotropes ou isotropes transverses? Avez-vous mis de l'anisotropie dans le comportement du raffia que vous avez mis dans votre modèle numérique? Et si oui, comment avez-vous obtenu ces données? Oui, pour ce qui concerne le raffia, nous avons en réalité, à la base, fait deux modélisations, suivant deux schémas différents. Le premier schéma, c'est que nous avions essayé de considérer les propriétés en traction de la fibre de raffia. Lorsque nous avons procédé, donc dans ce cas, nous avions considéré que les fibres qui sont en bas de la ligne neutre travaillent à la traction et les fibres d'en haut travaillent à la compression. Quand nous avons procédé à la modélisation numérique, on s'est rendu compte que le comportement que nous avons obtenu était complètement écarté de ce qu'on a obtenu expérimentalement. Du coup, on a rejeté. La deuxième option, c'était que le raffia, c'est-à-dire les inclusions dans le panneau, travaille à la flexion. Donc, nous avons pris le module d'élasticité à la flexion que nous avons utilisé directement. Ah ben, qu'est-ce que nous avons utilisé? Nous a permis de ne pas pouvoir utiliser le coefficient de croissance pour ce matériau compte tenu de sa position. Donc, nous ne l'avons pas utilisé. Et donc, du coup, quand nous avons fait la modélisation en considérant donc que les inclusions en raffia travaillent essentiellement la flexion, donc nous avons pris le module de la flexion, on a constaté que les résultats que nous avons obtenus sont très proches de celles qu'on a obtenues expérimentalement. C'est la raison pour laquelle nous avons donc adopté ce type de modélisation. Donc, vous n'avez pas pris en compte une anisotropie du comportement du matériau? Pour ce qui concerne le raffia, nous n'avons pas pris en compte l'anisotropie parce que nous avons utilisé essentiellement les propriétés en traction, c'est-à-dire en flexion. En flexion. Oui, mais du coup,
Oui, parce que quand vous avez mesuré les propriétés du raffia, vous avez mesuré un module Young, un module Young de flexion, et vous avez mesuré également un module de cisaillement, il me semble. Oui, tout à fait. Avec le Bing, avec la méthode Bing, c'est possible de l'obtenir. Oui, nous avons comparé les résultats. Nous avions comparé les résultats obtenus par le Bing aux résultats obtenus expérimentalement, et les deux étaient très proches. Donc nous avions pris celle qui était obtenue expérimentalement pour travailler avec. Mais vous n'avez pas, vous auriez pu, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais si vous avez mis des propriétés de flexion de votre fibre de raffia, vous auriez peut-être obtenu un meilleur résultat en introduisant un coefficient de Poisson du raffia artificiel, c'est-à-dire en considérant le raffia comme isotrope avec un module de flexion, mais en introduisant un coefficient de Poisson artificiel, enfin équivalent plutôt, effectif, qui serait obtenu en tenant compte du coefficient de cisaillement, c'est-à-dire en utilisant la relation des matériaux isotropes pour les coefficients de cisaillement. Puisque vous connaissez le G, coefficient de cisaillement, et le E, vous pouvez calculer un nu équivalent. C'est un nu qui n'est pas réaliste. C'est un nu, un coefficient de Poisson nu, qui n'est pas réel, mais qui permet d'obtenir le même coefficient de cisaillement. Et vous auriez pu garder une modélisation isotrope du raffia, mais en introduisant un nu effectif qui serait bien supérieur à 1 pour tenir compte du fait que le rapport E sur G est assez élevé. Il est de l'ordre de 7 ou 10, je ne sais plus, pour votre raffia. Vous auriez obtenu un meilleur, je pense que vous auriez amélioré un petit peu votre calcul, surtout pour la partie, pour le comportement de l'âme. C'est juste une remarque que je fais. Voilà. Oui, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Oui, parfaitement. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais poser des questions plus d'une autre nature. Restons sur le raffia d'abord, un petit peu. Vous avez testé ce matériau avec. Ce matériau est-il un peu comme du bois ou pas? Juste par curiosité. Est-ce qu'il a un comportement similaire à celui du bois? Oui, d'abord, de façon formelle, ce n'est pas du bois. Ce n'est pas du bois parce que ce matériau fait partie d'une espèce qui est du palmier. C'est la branche, ça provient de la branche de palmier. Donc, ce n'est pas du bois. Et par contre, sa structure, de façon macroscopique, pourrait être plus ou moins assimilée à celle du bois. On sait que le bois est un matériau lieux. Et ici aussi, nous avons des fibres qui peuvent nous permettre de dire que ce matériau, plus ou moins, peut être considéré comme lié. D'accord, très bien. Bon, j'en ai fini pour le raffia. Moi, j'ai une question maintenant par rapport à l'aspect environnemental. J'en ai deux. La première, j'ai cru comprendre que vous mettiez votre composite, vous utilisez un solvant de type essence. Mais je suppose que ce solvant dégage beaucoup de vapeur. Est-ce que vous avez des méthodes pour qu'il relâche moins, qu'il dégage moins, pour que le solvant soit davantage bloqué et qu'il se dégage moins, qu'il soit davantage bloqué dans le composite et qu'il se dégage moins de manière à éviter des nuisances? Oui, en effet, effectivement, pour le travail que nous avons fait, la confection de ce matériau a été faite en milieu ouvert. Et on sait que pendant cette confection-là, il n'y a que le solvant qui est utilisé étant de nature volatile, leur donnant des émissions de CO2, des composés organiques volatiles. Et ces émissions, évidemment, sont compromettantes pour l'environnement. Mais dans le laboratoire, nous avons fait ce travail, c'est-à-dire au laboratoire d'énergie et de mécanique appliquée, il n'y a que des travaux sont présentement en cours pour pouvoir contrôler l'émission de ces CO2. La technique qui est en cours d'expérimentation, c'est le recyclage, c'est-à-dire l'élimination de ces CO2 en boucle fermée. Voilà. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Je voulais que vous me... Là, c'est un peu de la curiosité. Vous parlez de thermoformage. Vous avez parlé de thermoformage pour la fabrication des composites bois polystyrène, je crois. Vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce qui est fort? Où est-ce que c'est quelle partie du composite qui est concernée par ce thermoformage et comment ça se passe?
Le thermo fromage, en réalité, concerne le composant de la police qui règne. Ou ce que nous avons fait, le procédé que nous avons utilisé, qui était le moulage par compression à froid. Le facteur qui était mis en jeu, ou le paramètre qui était mis en jeu, c'était la pression de compactage. En thermoformage, il y a deux facteurs qui sont mis en jeu. Il y a la pression de compactage et il y a la température, c'est-à-dire la chaleur. Et donc, on comprend bien que puisque notre matériau composé par polystyrène est formé de polystyrène qui est donc de plastique, il est sensible à la chaleur. Donc, en apportant de la chaleur à la pression, ceci permettra donc de le raffermer davantage, donc de diminuer la porosité qui permettra d'améliorer les propriétés mécaniques. Ah, d'accord, ok. Donc, vous proposez de chauffer le polystyrène pour qu'il s'infiltre mieux entre les particules de bois, c'est cela? Exactement, oui. D'accord, ok. Vous avez parlé d'un essai de traction, vous avez fait de la traction, n'est-ce pas? Vous pouvez m'expliquer comment il est réalisé, l'essai de traction? L'essai de traction que nous avons réalisé a porté essentiellement sur le matériau composite bois polystyrène et le matériau composite bois polyéthylène, c'est-à-dire le liant et le matériau de peau. Alors, cet essai, en fait, a été réalisé suivant la norme ASTM D1037 de 2012. Mais pour pouvoir obtenir les propriétés élastiques, parce qu'on en avait besoin, pour pouvoir faire la modélisation ultérieurement, on avait besoin donc des propriétés donc, en traction, c'est les propriétés élastiques, en particulier les caractéristiques d'ingénieur, que sont le coefficient de poisson et le module d'élasticité, on en avait besoin. Mais il fallait trouver un moyen pour pouvoir acquérir les données qui vont permettre d'avoir ces propriétés-là. C'est là où nous avons donc utilisé à contribution, donc en combinaison avec la norme ASTM, on a donc utilisé la méthode, c'est-à-dire la méthode de corrélation d'image. Cette méthode, en fait, consiste principalement à photographier l'éprouvette pendant l'essai de traction, donc pendant qu'on est en train de la charger, on essaie de la photographier. Et on sait que pendant la traction, donc pendant qu'on est en train de la charger, il n'y a que un point donné situé, par exemple, au niveau central de l'éprouvette va se déplacer. Le déplacement de ce point-là va être observé sur chacune des photographies qui seraient faites. Ici, on a fait une photographie à un pas de 1 seconde, 1 seconde par 1 seconde chaque fois on fait la photographie. Donc, les différentes positions successives occupées par le point qui est en train de se déplacer ont été récupérées et donc, avec le principe de produit de convolution, sont traitées via une application, via un programme qui est élaboré au laboratoire de l'Université de Montpellier avec le professeur Huyon, Vincent Huyon. Et donc, on a utilisé ce programme pour pouvoir calculer ou pas déterminer les propriétés donc, élastiques à partir des enrichissements qui ont été faits pendant l'essai de traction. Très bien, oui, merci. Ça précise bien ce qui s'est passé. Alors, j'ai une petite question sur vous avez parlé de recyclage, hein, c'est dans le titre de la thèse. Vous utilisez des produits de recyclage finalement, des produits qui seraient jetés ou alors. À un moment donné, vous, dans le document, vous disiez recyclage, réemploi. Vous utilisez les deux mots à un moment donné. Vous dites recyclage slash réemploi. Pour vous, c'est la même chose, le recyclage et le réemploi, ou c'est des notions un peu différentes? En effet, formellement, ce n'est pas la même chose. Le réemploi, c'est juste que quand on utilise un matériau donné, par exemple, qui arrive en fin de vie, on pourra donc le réutiliser dans un autre cycle pour pouvoir, pour la question environnementale, c'est-à-dire la protection de la consommation. Mais le recyclage, c'est précisément ce que voici. Lorsque je veux, par exemple, fabriquer du plastique, je pars d'un matériau de base et je suis un certain processus de fabrication. Lorsque le matériau plastique finalement fabriqué vient à sa fin de vie, donc après utilisation, on va devoir pouvoir le réinjecter dans le cycle de fabrication, de transformation, pour en faire de nouveaux matériaux plastiques. C'est ça qui est le recyclage. Alors, dans la littérature, nous avons remarqué que le terme réemploi se veut un peu difficile à utiliser par certains auteurs, si bien que c'est beaucoup plus, le terme recyclage est beaucoup plus utilisé. Donc, j'admettais que c'était de façon péjorative que ce terme-là est utilisé. C'est la raison pour laquelle, dans le document, nous avons plutôt préféré utiliser le terme recyclage pour rester en harmonie avec la littérature.
Ah, d'accord, parce qu'effectivement, moi, j'aurais eu tendance à penser qu'effectivement, le réemploi était une forme un peu plus noble de recyclage. Et d'après ce que vous dites, effectivement, c'est pas l'usage qui en est fait dans la littérature. D'accord. Bien, écoutez, je ne sais pas si j'ai encore autre chose. Je regarde tout ce que j'ai noté. Non, je pense que vous avez assez bien répondu. Quand on a discuté tout à l'heure des utilisations du produit, alors, je voudrais quand même avoir votre avis, parce que votre produit, il est effectivement mieux que les autres équivalents qui ont été tentés. Hein. Il a des meilleures propriétés mécaniques et peut-être thermiques également. Mais il a quand même pas. Est-ce qu'il est suffisant? Enfin, qu'est-ce qui permet de faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec dans la construction ou dans d'autres usages? Compte tenu des propriétés qu'il a, qui sont quand même pas des rigidités énormes, mais qui sont pas mauvaises, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quelles sont les perspectives d'utilisation de ce produit, de ces produits? Oui, ce produit en tant que panneau, sous forme de panneau, peut être utilisé pour les cloisons ou des murs, par exemple, de certains habitats dans des zones de cabane. Pour des quoi? Pardon, j'ai pas entendu le mot. Pour des quoi? De cabane? J'ai pas entendu le mot que vous avez utilisé. Pour des murs, c'est ça? Oui. Ah, des murs, d'accord. Oui, d'accord. Okay. Je n'avais pas bien entendu. Vous avez dit pour des murs de cabane. Je parlais bien de cabane. Oui, d'accord. Oui. Donc, les murs de cabane peuvent être réalisés à partir de ce composite, par exemple. Par sandwich. Alors, est-ce que vous voulez dire qu'il s'agit d'une cloison qui assure une fonction d'isolation thermique ou également elle a une fonction mécanique de soutien de charge de compression ou bien de résistance au cisaillement pour le contreventement? Est-ce que c'est purement thermique ou c'est également mécanique comme rôle? Oui, comme nous l'avons montré pendant la présentation, il y a des variantes qui présentent aussi bien des propriétés mécaniques que thermiques. Donc, lorsqu'on les utilise, par exemple, comme cloison, pour réaliser des cloisons, ils vont supporter des charges mécaniques et en même temps, ils vont donc offrir un certain confort thermique parce que leur conductivité thermique est faible. D'accord. Donc, vous pensez que ça a des caractéristiques suffisantes pour remplacer des panneaux de contreplaqué, par exemple? Ça remplacerait des panneaux de contreplaqué? Ça pourrait remplacer en gros des panneaux de contreplaqué qui permettraient d'isoler qui permettraient de faire les parois d'une cloison, c'est ça? Ça ferait ça concédurait tout seul la paroi d'une cloison. Et vous auriez une application, c'est pour des applications poteau-poutre, c'est-à-dire vous avez une structure, une maison qui est faite de panneaux en poteau-poutre avec des cloisons avec ce produit-là, c'est ça? Donc, c'est quel genre d'application? C'est pour des structures, des constructions de type. Quel serait le type de construction? Comment elle serait conçue? Est-ce que ça serait des panneaux qui assureraient tout le maintien de la cloison ou est-ce qu'ils seraient combinés avec des poteaux? En réalité, nous avons déjà fait une expérimentation de la mise en œuvre. S'il m'était permis de sortir certaines images, je pourrais le montrer. Ce panneau a été mis en œuvre dans un prototype d'habitat où, à l'aide d'un système de fixation en bois, on essaie donc de poser ces panneaux pour pouvoir donc les mettre en œuvre. À titre de cloison, à titre de mur, par exemple. D'accord. Ah ben, si vous avez une image, je suis intéressé. Soit vous pouvez la montrer maintenant, soit vous pourrez m'envoyer.
réponse. Oui, ça reste un peu. Ça reste un peu. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, je vois. C'est très bien, oui. Ah, d'accord, mais merci, hein. C'est l'air chouette. Ouais. Ce qu'on voit à gauche, est-ce que c'est... Alors, c'est un poteau, et en bas, c'est deux morceaux de ce composite ou c'est autre chose, les plaques avec les... Oui, en fait, ici. Oui, ici, donc, on a des poteaux, et ici, les panneaux qui sont disposés. Ces poteaux-là sont sur une certaine fondation qui sont donc l'assemblage poteau. Fondation est réalisée avec un système métallique, une liaison métallique. Donc là, c'est essentiellement les panneaux qui sont fabriqués. Sur cette photo-ci, on a donc plusieurs types de panneaux qui sont disposés. Il y a des panneaux avec inclusion qui sont ici, par exemple. Là, c'est sans inclusion. C'est vrai que dans ces états-là, on ne peut pas voir ce qui est à l'intérieur. C'est les inclusions, on ne peut pas les voir. D'accord. Ben, très bien. C'est un peu ce genre d'application que j'imaginais. C'est très bien. Je vois que vous avez bien avancé. Merci. Ben, écoutez, monsieur le Président, je pense que j'en ai fait. Ça y est, c'est bon. J'ai proposé toutes mes questions. Je remercie le candidat pour son excellent travail. Je le félicite, ce candidat, pour son excellent travail et je le remercie pour les nombreuses informations qu'il a données en plus aujourd'hui. Merci. Là, je n'entends plus rien, là. Je crois que le micro du jury est coupé. Moi aussi, je n'entends plus rien. Et comme au Cameroun, il y a trop de ruptures de courant, ce serait peut-être bien qu'on me fasse parler, parce qu'après, s'il n'y a plus d'énergie, ben, je ne pourrais plus parler. Mais je n'impose rien. Voilà. C'est la rupture qui est entre le nord et le sud. On a des problèmes d'énergie ici. Merci. Monsieur Pouillet, vous voulez mettre votre vidéo en marche ou... Voilà. Vous m'avez donné la parole, Monsieur le Président. Je n'ai pas entendu. Allô? Donc, mais mettez aussi en route votre vidéo pour qu'on vous voit. Vous m'avez passé la parole? Je peux parler? Je n'entends. Je peux prendre la parole? Je n'ai pas compris. Je suis entendu. Pardon? Vous pouvez parler. Ah, d'accord, merci beaucoup, Monsieur le Président. Très bien, je vais commencer par dire ma joie, n'est-ce pas, de revoir beaucoup de visages qui me sont familiers. Je dois remercier le recteur de l'université d'Abomey Calavi, le directeur de l'EPAC, où se passent ces soutenances de thèses hautement scientifiques, le professeur Vianou, avec qui je fais du chemin depuis 32 ans, le professeur Adjovi Edmond, qui nous a trouvés déjà ensemble,
le professeur Mohamed Djibigaye, qui est comme moi à distance à cause du coronavirus. Hein? Bon. Professeur Ongan Aristide, on se connaît très bien. Le professeur, dont je n'ai pas bien vu le nom, mais du Congo, qui a pris la parole tout à l'heure. C'est la première fois qu'on se voit. Je suis très heureux qu'on soit dans ce même jury. Pour terminer donc, j'ai gardé ça pour la fin, mes très chers collègues de Montpellier, Jean Gérard et Joseph Grill, merci beaucoup de m'avoir fait revoir vos visages, même si nous avons pris des rides. Très bien, nous allons passer maintenant au corps de l'action. Je veux commencer par remercier l'impétrant Amadji pour sa présentation. C'est formidable. Hein? J'ai bien apprécié, comme les autres collègues l'ont dit avant moi, très brillamment, c'est bien fait, c'est très bien dit. Les réponses aux questions des deux premiers jurés sont de bonne facture. Je dois aussi te remercier. Tu vois que je te tutoie déjà parce que je crois que tu vas rejoindre, n'est-ce pas, la famille des docteurs bientôt. Parce que tu as bien voulu reprendre cette thèse. Et je suis content que Joseph ait dit que les deux plantations sont possibles. Mais si j'ai insisté dessus, c'est parce que nous sommes là à la phase d'initier un chercheur à bien s'organiser, à comprendre vraiment où on range les choses. Et c'est pour ça que je lui ai montré qu'une thèse de ce niveau peut se ranger en trois chapitres simplement. Chapitre 1, revue de la littérature. Chapitre 2, matériel, matériaux et méthodes. Chapitre 3, résultats et discussions. Et je crois qu'il a très bien vu qu'on peut le faire. Parce que j'ai constaté en lisant le document premier que les mêmes chapitres revenaient dans les différentes parties avec la même hiérarchisation. Ce qui est très gênant pour quelqu'un qui s'initie à la recherche et qui va laisser un document pour les cadets où ils doivent s'appuyer pour faire à peu près la même chose. Ça, je lui ai dit, d'une manière générale, il faut compartimenter tout dans les chapitres. Si on a des équations, équation du chapitre 2, c'est 2.1 pour la première équation, ce n'est pas équation 10, non. Figure 3.2 veut dire figure, deuxième figure du chapitre 3, etc. Et avec ça, c'est plus propre et c'est plus simple. Et ça permet aux cadets qui vont prendre ton document de pouvoir refaire la même chose. C'est pour cela que j'ai demandé ça. Et à mon avis, ça a été très bien fait. Les hypothèses aussi sont, dans cet apprentissage, les réponses anticipées aux questions de recherche. C'est pour ça que j'ai insisté pour que les questions de recherche soient claires, que les hypothèses soient claires, parce que même en mathématiques, on commence par les hypothèses avant de faire la démonstration et arriver à CQFD. Donc, je crois que je suis satisfait pour cela. Maintenant, concernant la suite des travaux, je veux commencer par faire des commentaires sur ce que j'ai entendu des deux prédécesseurs. Alors, le collègue du Congo, dont je n'ai pas le nom, mais ce n'est pas grave, il vous a demandé, est-ce qu'on peut utiliser du bois tendre ou du bois dur? Bon, c'est pour ça que j'utilise les termes consacrés. Apparemment, vous êtes resté sur, moi je n'ai utilisé que du bois dur, parce que c'est ça qui donne des déchets au Bénin, bien sûr. Votre travail est là pour effectivement. J'espère que je suis vu, hein? Oui. Pour effectivement permettre de recycler des déchets. Et c'est très bien de les recycler pour en faire quelque chose d'utile. Et c'est pour cela que moi, je crois que recyclage et employabilité, ce n'est pas la même chose. Vous recyclez en utilisant ces matériaux et en faire donc des sandwichs, mais maintenant, vous les employez en nous faisant construire donc des cloisons comme ce que Joseph a demandé et que vous avez présenté. Moi, j'ai dit, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, les deux termes devraient aller ensemble. On recycle à la fin d'une vie et après, on réutilise pour une nouvelle vie. C'est ça que j'appelle l'employabilité, c'est l'emploi. Maintenant, quand vous prenez le sandwich,
si vous regardez sur le plan mécanique, prenons la poutre Sèvres. Je vais revenir dessus tout à l'heure pour expliquer ce que Joseph voulait te faire dire. Alors, tu as l'axe neutre. Tu as les éléments les plus éloignés, comme tu as dit, la peau, où les tractions sont maximales. C'est la théorie des poutres élémentaires. Alors, je croyais que tu allais répondre aux collègues du Congo que nous pouvons mettre des déchets au milieu. C'est-à-dire qu'en réalité, on risque de faire un sandwich à trois couches. C'est-à-dire, au niveau de l'axe neutre, nous mettons du bois blanc, voilà, du bois tendre, qui ne sert à rien, parce que dans cette zone-là, les tractions sont presque zéro. Ce n'est pas, c'est pas bien qu'on utilise quelque chose qu'on pourrait utiliser dans la partie mécanique, qui demande plus d'efforts. Dans la partie, on pourrait mettre autre chose. Mais ça, c'est, bien sûr, c'est lorsqu'on dispose des deux déchets. Mais si on ne dispose pas des deux déchets, alors vous pouvez mettre les mêmes déchets, du bois dur ou du bois rouge partout. Donc, c'est ce que je crois que vous voulez lui répondre. Que si on est dans une zone au Cameroun, par exemple, on a 506 essences, si on a autant de déchets de bois tendre que de bois dur, alors, dans la partie centrale, je peux faire un sandwich à trois niveaux. Très bien. Maintenant, concernant la question de la rigidité, lorsque vous prenez la théorie des poutres isotropes, hein, avec l'équation de Lagrange, vous voyez, Joseph en a parlé, vous voyez, vous avez le 1 sur nu sur le D. Vous voyez, D égale E divisé par 1 sur nu. Vous voyez, le E, c'est ce que vous obtenez lorsque vous découpez la plaque en poutre. Parce que quand vous découpez la plaque en poutre, vous fragilisez la plaque. C'est-à-dire que chaque élément de poutre est plus fragile que lorsque vous allez les réunir et obtenir la plaque. C'est pour ça que le divisé par 1 sur 8 fait que le module de la plaque sera supérieur au module de chaque élément composant donc les éléments de la plaque si on les recolle après. Je crois que c'est ça qu'il fallait aussi voir. Et ça, je crois que c'est très bien. Ça montre que la plaque est bien plus rigide que les éléments de poutre qui constituent la plaque si on les découpe avant de les relier. C'est pour ça que dans la théorie de la Grange, vous avez dans le E qui est E divisé par 1 moins nu. Donc, comme c'est un chiffre inférieur à 1, évidemment, le E de la plaque sera supérieur au E des éléments de poutre. Voilà, ça c'était pour essayer de répondre à ces questions-là. Maintenant, moi je veux vous féliciter pour ce que vous avez fait. Et j'ai déjà lu une thèse sur la récupération des déchets de bois aussi pour faire autre chose. C'est pour cela que je veux encourager les autres chercheurs à continuer sur tous les aspects biochar. J'en avais déjà parlé sur une autre thèse. Parce qu'à la COP26 à Glasgow, il a été mis devant l'utilisation du biochar pour régler les problèmes de réduction de l'empreinte carbone, c'est-à-dire fabriquer de l'énergie à partir des déchets de matériaux dégradables, comme par exemple des déchets agro-industriels, du maïs, des tiges de maïs, de coton, etc., et non pas forcément que de la biomasse forestière. Donc, moi, je crois que cet aspect est aussi à mettre devant. C'est-à-dire que si on a des champs de coton avec des déchets, des champs de canne à sucre ou autres champs, le biochar, c'est le terme, je veux dire, raccourci de biological charcoal en anglais, qui permet aussi de pouvoir récupérer donc ces déchets végétaux et d'en faire, n'est-ce pas, de l'énergie. Donc ça aussi, je voulais le dire. Je voulais donc aussi poser quelques questions maintenant, en commençant par compléter ce que le collègue du Congo a dit en vous disant ceci. Mais pourquoi vous n'ajoutez pas du liant pour fermer les pores, puisque vous parlez de porosité? Alors, vous allez voir qu'une de mes questions va concerner la quantité d'eau que ce composite reprend lorsqu'on trempe cela dans l'eau pendant un certain temps. Ça reprend quelle quantité d'eau? Et je voudrais aussi ici ouvrir une discussion sur ce qui est en train d'être actuellement fait dans le monde
concernant le béton vivant, c'est-à-dire l'association de l'inerte et du vivant. Vous n'êtes pas sans savoir que les spores bactériennes sont en train d'être utilisées aujourd'hui pour rallonger la vie des structures en béton armé. C'est-à-dire qu'actuellement, lorsque nous faisons du béton inerte, c'est-à-dire du béton armé, inerte, la durée de vie, c'est 60 ans. Mais si nous ajoutons désormais au moment où on fait le gâchage, la spore bactérienne, on peut porter cette vie à 120 ans, c'est-à-dire on double la durée de vie des structures en béton armé. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme le béton armé est calculé comme une structure fissurée, ce qui est vrai, parce que dans la zone de traction, le béton ne résiste pas à la traction, il y a donc des micro-fissures qui se produisent, et c'est par ces micro-fissures que les vapeurs d'eau rentrent dans la structure pour commencer à attaquer les aciers, pour rouiller les aciers, et au bout d'un certain temps, donc, ces aciers perdent leur fonction et réduisent donc la durée de vie de la structure. Alors, à quoi servent donc ces spores bactériennes? Elles dorment pendant des siècles, pendant le temps de vie de la structure du béton. Et chaque fois qu'il y a une structure, une micro-fissure qui s'ouvre et que la vapeur d'eau entre, la spore bactérienne se réveille, produit des enzymes, colmate et se remet à dormir. Bon, je le dis comme ça très rapidement. Donc, j'ai l'impression que cette question qui vous a été posée m'a donc fait penser à pourquoi ne pas utiliser ça dans ce que nous faisons. C'est-à-dire au moment où on va donc faire ce mélange qui vous permet d'avoir ces matériaux qui sont très bien, ne pas introduire aussi les spores bactériennes qui peuvent donc jouer ce rôle, n'est-ce pas, d'empêcher que l'eau aille dans la structure et fragiliser cette structure. Très bien. Je voulais aussi dire, et ça vous l'avez montré, que l'usage premier de ces sandwichs, ce n'est pas d'être porteur. Et ça, on l'a vu. Ce sont des éléments de cloisonnement, c'est-à-dire en fait des cloisons qui ne portent pas. Donc, pour moi, la partie mécanique n'a pas trop d'importance, puisque, en fait, ce sont des plaques que vous fabriquez, des plaques sandwich. Par contre, l'aspect de la diffusivité thermique, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut arriver, avec ces matériaux, à montrer que lorsqu'on les met, on arrive à réduire les quantités de chaleur qui rentrent ou qui restent dans un espace donné. Très bien. Maintenant, sur la figure 14, vous irez tout à l'heure voir ça si vous souhaitez me répondre là-dessus. Vous avez montré, n'est-ce pas, les points de rupture qui se déplacent du bas vers le haut. Et ça m'a paru trivial, c'est-à-dire que pour moi, c'est normal que la rupture commence là où les efforts sont les plus élevés et continue à diminuer et parte vers le cœur de la structure plus tard. Donc, enfin, je ne vois pas ce que vous m'avez apporté en termes de connaissances scientifiques, mais peut-être vous aurez la parole tout à l'heure pour me dire plus que cela. Parce que pour moi, c'est trivial. C'est-à-dire que ce comportement est normal. Mais bon, peut-être que je peux me tromper. Maintenant, alors, trois questions, je crois. Trois questions. Première question. Donc, lorsque vous trempez ce matériau, quelle est la quantité d'eau que ça reprend en combien de temps et quelles sont les conséquences de cette reprise d'humidité sur les caractéristiques physico-mécaniques? Bon, je ne voulais pas parler du thermique. Ça, c'est la première question, elle est simple. Maintenant, deuxième question. Y a-t-il des possibilités d'émanation de certaines substances? Lorsque vous avez fini de fabriquer votre matériau, ce n'est pas la même question qui a été posée tout à l'heure par Joseph. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de confectionner le matériau, alors ces gaz qui s'évaporent et qui sont très nocifs, comment on peut les apprivoiser, ça c'est une autre question. Moi, c'est la rémanence dans le temps. Bon, je ne suis pas chimiste, mais j'aurais appris qu'il y a des dioxines dans les plastiques et peut-être autre chose. Est-ce que dans le temps, par rémanence, il y aura production encore
de ces gaz à travers ces éléments. Parce que si ça peut se faire, alors c'est nocif, parce que comme ça sera en service, ceux qui vont donc être à l'intérieur de l'habitacle peuvent donc respirer ces gaz et ce ne serait pas bien. Alors, je crois que la troisième question, puisque l'autre je l'ai déjà posée, alors, si ceci est donc vrai, qu'est-ce qu'on pourrait donc faire pour que ces matériaux ne soient pas nocifs en termes de rémanence, c'est-à-dire que dans le temps, les gens qui viennent d'utiliser maintenant subissent dans leurs poumons ou respirent les gaz nocifs émis par rémanence. Voilà, je crois que, sauf erreur de ma part, j'ai fait le tour des questions que je voulais vous poser. Et je vous remercie encore de la qualité de la présentation. Et une dernière chose qui continue à me gêner, mais qui dans l'exposé est correct, parce que vous présentez les perspectives à la fin, normalement, dans la rédaction, dans le corpus de rédaction, dans le chapitre 3, où on a résultats et discussions, les perspectives et les recommandations sont des corollaires de la discussion. Donc, normalement, ça devrait se retrouver dans ce chapitre-là. Vous voyez, je continue à en parler, parce qu'en fait, c'est dans ce forum-là qu'on peut en parler, vous voyez, et après, on peut rechanger. Mais vous m'avez dit, c'est l'université d'Abobo-Calavi qui vous impose ça. J'ai dit, je l'accepte. Mais quand je fais une réflexion comme celle-là, devant des sommités comme celles qui sont là, c'est pour que ça crée de la discussion. Parce que je crois que c'est dans ce chapitre où on pourrait avoir des recommandations. Mais bon, à ce niveau, on n'en a pas besoin. C'est surtout les perspectives qui sont des corollaires d'une discussion. Et maintenant, dans la conclusion générale, à mon sens, quand on conclut, on ne dit plus rien. Quand on conclut, c'est terminé, on ne dit plus rien. On ne peut pas mettre conclusion générale et perspective. Conclusion générale, c'est tout dedans. Maintenant, dans la conclusion générale, on peut reprendre quelques aspects pointus concernant les perspectives et en parler. Mais si on veut voir toutes les perspectives, on retourne au chapitre 3 parce que c'est un des corollaires de la discussion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Félicitations encore pour Alain Péton. Je vous remercie. Mais juste pour laisser la parole, répondre aux questions qui ont été posées. Si vous avez des difficultés, je peux vous aider à les reformuler. Ce qu'il a parlé d'abord sur le plateau, ce que j'ai trouvé, évaluation, grâce à ce dégagé, est-ce que le processus de dégagement de gaz ne va pas se retrouver? Merci, Monsieur le Président du jury. Pour ce qui concerne la première question, c'est-à-dire, est-ce que le matériau, quel est le taux d'absorption peut-être maximum et au bout de quel temps du matériau composite? Je voudrais préciser qu'il s'agit ici donc du composite bois polystyrène. Qui est donc formé par le procédé de moulage par compression à froid. Donc, pour ce composite et pour toutes les formulations qui ont été utilisées, la formulation la plus défavorable présentait un taux d'absorption en eau de 40%, enfin, environ 40%. La formulation la meilleure qui présente donc moins de taux d'absorption, enfin, le taux d'absorption le plus faible, c'était autour de 8%. Alors, pour un tel composite, on sait. Allô?
pour un tel composite, on sait que l'eau constitue un ennemi. Et donc, plus ce matériau va absorber de l'eau, plus ça lui sera défavorable. Donc, c'est justement dans cette perspective que nous étions en train de penser à l'utilisation du procédé de thermoformage, qui va donc permettre de refermer davantage les vides pour donc réduire la porosité et donner donc beaucoup plus de possibilités au matériau de ne pas absorber d'eau. Pour ce qui est de la deuxième question, qui demandait donc à ce que, ce que je réponds, s'il y aura de rémanation de composés organiques volatiles après la mise en service du matériau. Je voudrais préciser que ce phénomène est observé d'abord essentiellement au niveau du composite, toujours bois polystyrène. Et donc, pour ce composite, ce qui est heureux, c'est que tant que le maximum de composés organovolatiles n'est pas sorti, il n'arrive pas à reprendre, il n'arrive pas à offrir de bonnes propriétés mécaniques. Donc, pour pouvoir l'exploiter, il faudrait donc attendre que le maximum de solvants soit sorti. Alors, pour toutes les expériences que nous avons faites et pour les dosages que nous avons utilisés en matière de solvants et de matériaux bruts, matériaux de base, il se fait que le temps minimum, le temps moyen au bout duquel le matériau donc, va donc, éliminer l'essentiel du solvant, c'est 4 semaines. Pour ce qui est de la question 3, qui demandait donc de dire comment on peut réduire la rémanence du solvant, je pense que c'est à ça qu'il vient de répondre en disant que c'est justement dans cette optique-là que nous avons pensé au procédé du thermoformage pour réduire la rémanence. En effet, pour pouvoir le faire ici, il s'agit donc dans un premier temps de réduire la quantité de solvant à utiliser pour réaliser le matériau. On réduit cette quantité. Et déjà, pendant le processus de fabrication, il n'y a qu'une fois qu'on réalise le mélange de CU avec la matrice qui est la colle, il faudra étaler, il faudra exposer donc, le composite à l'état foisonné à l'air pour que le maximum de solvant sorte. Et puisque ici, la quantité, telle que justement le dit, la quantité de solvant utilisé serait faible, et bien le maximum serait sorti, de sorte qu'en passant au thermoformage, c'est-à-dire en chauffant, et en pressant en même temps, on puisse donc avoir un composite avec une quantité minimale de solvant, donc de composés organiques volatiles. Voilà, monsieur le président. Monsieur, peut-être que vous avez suivi l'esprit de j'espère que j'ai la parole. J'ai bien suivi les réponses. J'ai bien suivi les réponses. Vous êtes à la parole. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Très bien. Donc, j'ai bien suivi les réponses aux questions de l'impétrant. Je voudrais savoir si il a un appareil qui renifle et qui se rend compte du seuil minimum de libération de ce solvant qui ne puisse plus être nocif à la santé de l'être humain, parce qu'il parle de 4 semaines. J'aimerais qu'il me dise vraiment si c'est sérieux ce qu'il me dit ou alors c'est encore à regarder de plus près, c'est-à-dire qu'il faut peut-être introduire dedans des professionnels de la santé, je n'en sais rien, l'OMS peut-être, je n'en sais rien, pour regarder vraiment quel est le seuil minimum pour permettre de mettre ça sur le marché ou de les utiliser pour que ça soit
habitable. Parce que là, quand les personnes vont rentrer dedans, elles vont respirer. S'il y a des rémanences, elles vont respirer. Il faut qu'on nous rassure que s'il y a des rémanences, ça ne peut plus être nocif pour la santé. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'aimerais qu'il me réponde dans le cas où on a à Cotonou, par exemple, à la fois du bois tendre et du bois dur comme déchet et sciure. On passe maintenant, au lieu de 3 couches, on passe à 4 couches équilibrées. 4 couches, c'est-à-dire, vous avez les 2 pots, et maintenant, pour l'âme, vous avez une partie en bois tendre, une partie en bois dur. Si on se positionne par rapport à la ligne moyenne, je prends ça comme élément de poutre, hein, même le plan, il y a le plan moyen, c'est la même chose. Alors, est-ce que vous pourriez me dire comment faire pour ne pas laisser traîner, n'est-ce pas, les sciures provenant du bois tendre et continuer quand même à mettre en place ces sandwichs que vous venez de nous montrer et qui sont, à mon avis, très, très bien conçus. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Et si vous permettez de commencer par la dernière question, qui demandait de savoir dans quelle position il fallait pouvoir utiliser le composite qui va être utilisé de bois tendre ou de sciure de bois tendre dans un tel type de sandwich. Je pense que c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, parce qu'on sait que le bois tendre a des propriétés mécaniques moins élevées que celles des bois durs. Et au niveau de l'âme, on a besoin de moins de propriétés mécaniques, surtout en transformation, qu'au niveau des peaux du sandwich. Pour ce qui concerne la première question, excusez-moi, monsieur le professeur, de dire que, puisque cet aspect n'était pas, ne constituait pas une risque spécifique pour notre travail, nous ne nous sommes pas trop pensés là-dessus. Tout ce que nous avons pu faire, c'était au bout de 3 semaines, 1 mois, nous avons utilisé notre nez pour pouvoir sentir s'il y a quand même des émissions de CO2. S'il y a des émissions de CO2, on allait pouvoir le sentir au moins à partir du nez. C'est vrai qu'il y a des appareils beaucoup plus sophistiqués, enfin, appropriés pour déterminer précisément le taux de CO2 qui est émis pour qu'on puisse statuer sur l'opportunité de l'utilisation ou non. Nous autres, on s'était simplement arrêté à l'étape de juste sentir. Merci, M. le Président. Oui, bon, alors, ce que je veux vous dire, nous avons l'obligation en tant que scientifiques de nous conformer. Il s'agit là de la vie d'un être humain. On n'a pas le droit de mettre à la portée et à l'utilisation d'un être humain des objets ou des matériaux qui peuvent être un danger pour leur vie. Moi, je conseillerais pour la suite que cet aspect soit vraiment pris au sérieux, surtout que j'ai vu que vous avez déjà des éléments en grandeur nature. C'est-à-dire que dans bientôt, on risque de dupliquer ça dans Cotonou au moins, de commencer à faire des espaces ou des habitats où les gens vont venir rester. À mon avis, il faut prendre ça très au sérieux. Maintenant, concernant l'âme, bien sûr, il est clair que vous avez deux éléments de peau et l'âme. Alors, je ne vous parlais pas des éléments de peau, je parle de l'âme. Dans l'âme maintenant, je voudrais que vous montriez comment faire une âme en bicouche, c'est-à-dire où vous positionnez le bois tendre par rapport au plan moyen, disons comme ça, par rapport au bois dur. Mais nous sommes toujours dans l'âme, là. Je n'ai pas bien entendu. Puisque tout ça, c'est dans l'âme, mais positionner comment? C'est ça qui m'intéresse. Je vous remercie. Là, c'est prévu. Il y a 2 essais encore qui sont prévus. On a tenté de faire à Montpellier. Il y a l'essai d'inflammabilité. Il y a l'essai de toxicité. L'essai de toxicité qui le joint. Mais il y avait déjà un TESA qui, à travers la suite, qui a conçu un dispositif, une machine qui essaie, lors de l'évacuation du gaz, essaie de confiner ce gaz-là dans une bonbonne pour après réutiliser ce gaz-là pour pouvoir chauffer le,
le plastique pour avoir le composite bois plastique. Donc, toutes ces réflexions sont en cours. Donc, c'est une thèse que nous voulons que Abadi prenne tout en compte, mais à Montpellier, on s'est confronté au dispositif de laboratoire en termes de coûts, c'est ça, non? Parce que lorsqu'on a eu le devis revenait très cher. Donc, je crois que ça va être dans les... Il n'a pas dit ça dans la perspective, mais je crois que la prochaine fois, on va prendre en compte de poisson, puis il a bien raison de poser cette préoccupation. Donc, ça va être les prochaines idées à mettre en œuvre. Je vous remercie. Cette intervention parenthèse qui indique clairement qu'il y a des postulations qui sont prises en compte que nous allons annoncer. Je voudrais remercier le professeur Fouget pour cette question intéressante qu'il a posée qui attire l'attention sur la qualité du matériau qui est fabriqué, aussi l'attention qui peut être menée. Sur la société, autre chose. On va maintenant avancer. Je vais inviter le professeur Mohamed Kibigaël à prendre la parole pour poser cette question sur le travail qui a été fait. Mohamed Kibigaël, vous êtes là, vous avez la parole. Merci infiniment, monsieur le président. Je rappelle au professeur Fouguette que je suis à Natitingou. Je ne sais pas s'il se rappelle bien de cette ville du nord du Bénin. Que c'est le chez toi. C'est le chez toi. C'est bon. Tu es au village. Je suis au village. Voilà. Très bien. Alors, monsieur le président, je vous remercie. Je remercie les encadreurs donc, de cette thèse et je salue tous les collègues membres de ce jury. Ce jury vraiment très international, que Monsieur le Président, en tant que directeur de l'école doctorale et les autorités du lectorat de l'UAC, ont pu mettre en place. Vraiment, je me retrouve très bien dans ce jury et puis c'est très intéressant. C'est très remonté et puis ça fait toujours plaisir d'être vraiment dans ce genre de jury. Alors, pour revenir au candidat, je dois le féliciter pour dire que Monsieur Amadji est un doctorant que je connais depuis il y a 10 ans. Nous avons d'ailleurs travaillé ensemble dans mon unité de recherche. Je le connais pour ses grandes capacités d'innovation, de sérieux dans le travail, de précision dans le travail et de son art. Amadji, il sait écrire surtout les articles scientifiques. Ah oui, ça, je ne suis pas étonné qu'il en soit à son 3e article. Vraiment à la veille donc, de cette soutenance. Monsieur Amadji, vous avez vraiment le chemin tout tracé devant vous avec ce sujet que le professeur Adjoubi et le collègue Gérard ont donc proposé à votre attention. C'est un sujet très innovant, comme le professeur Adjoubi en a d'ailleurs l'habitude. C'est un sujet qui promet beaucoup et beaucoup de résultats. La preuve est que vous, ici, pour moi, vous vous êtes donné tellement de peine, vous avez fait beaucoup d'expérimentations, vous avez eu beaucoup de résultats. Et vous voyez, donc, le professeur Joseph Grill en a parlé. Hein. Si vous vous étiez donc focalisé sur l'application, je crois qu'on aurait contenu certaines des expérimentations. Vous voyez, les résultats mécaniques que vous avez présentés, par exemple, nous amenait donc vers une utilisation des panneaux en position donc de flexion, en position de flexion, vous voyez. Mais la figure que vous avez, l'image que vous avez montrée, nous montre le comportement donc de votre panneau comme travaillant en plaque. C'est un comportement de plaque. Or, dans les essais mécaniques que vous avez présentés, rien de cela donc n'est apparu. Qu'on le veuille ou non, que nos sandwichs soient utilisés donc en paroi, il y aura quand même des efforts mécaniques pour, disons, les panneaux qui seront vers le bas, même s'ils sont autoporteurs. Donc, il y a quand même donc des charges que nous devons vérifier par rapport donc à leur capacité. Alors, moi, je voyais plutôt l'utilisation de ces panneaux-là comme des panneaux pour les plafonds, pour les faux plafonds. Voilà. Le professeur Adjoubi, je crois, il a développé beaucoup de composites.
Puis il a toujours proposé leur utilisation en faux plafond. Dans les applications, quand on vous a posé la question, vous n'avez pas parlé de ces faux plafonds, ça m'a un peu étonné. Moi, je crois qu'au regard des résultats que vous avez eus, moi, je me penche beaucoup plus vers une utilisation en faux plafond. C'est vrai que du côté de l'utilisation en cloison non porteuse, vous avez des résultats puisque vous avez conduit des expérimentations du point de vue de la thermique. Et puis, les résultats obtenus sont très intéressants. Et au regard de ça, je pense qu'il est possible encore d'imaginer beaucoup et beaucoup d'autres applications du point de vue des performances thermiques que vous avez, disons, mis en lumière au regard donc, de ce que vous avez eu à faire. Le professeur Joseph Grill, on dirait qu'on s'est concerté, mais il a pris en compte deux de mes préoccupations. La première concerne le thermoformage. L'impétrant en a parlé au niveau de la diapo 6. Après ça, le professeur Grill a parlé également de la rigidité en flexion. Pourquoi avoir modélisé, c'est-à-dire la rigidité en flexion, au lieu d'une autre propriété? Pourquoi? Là, vous voyez, cette question-là, elle débouche en même temps vers l'application. C'est pour ça que je me réjouis vraiment de cette belle question que le collègue a eu à poser. Et je crois, j'ai donné mon sentiment par rapport, disons, à l'utilisation que nous pourrions en faire. Alors, toutefois, il me reste, on va dire, quatre questions et puis une recommandation. Quatre questions et une recommandation. Je vais commencer par la recommandation en disant que dans le résumé, effectivement, vers la fin du résumé, il aurait fallu que vous parliez des recommandations en termes d'application. Donc, il faut compléter un peu le résumé en ce qui concerne la recommandation d'utilisation, d'usage de ce composite-là que vous avez développé. Ma première question, donc vous avez dit 1, 2, 3, 4, il me reste 4 questions. Vous avez introduit un concept que je ne connaissais pas par le passé. Je connais l'économie socialiste, l'économie capitaliste, l'économie, toutes les autres économies, mais je ne connais pas ce que vous appelez économie circulaire. C'est la première question. Parlez-nous-en. Et vous en avez parlé à la diapo numéro 5. Deuxième question. Pourquoi vous n'avez pas fait une optimisation pour les CDPO? Troisième question. Pourriez-vous nous donner un exemple de méthode d'optimisation expérimentale, rigoureusement parlant? Quatrième question. Quel est le principe de base qui gouverne la modélisation que vous avez faite de la rigidité en flexion des panneaux sandwich? Je reprends. Quel est le principe de base qui gouverne la modélisation que vous avez faite de la rigidité en flexion des panneaux sandwich? Voilà, Monsieur le Président, mes quatre questions et ma recommandation. Je vous remercie, Monsieur le Président. D'abord, je suis avec la question pour la question que vous avez posée. Je pense que je vais laisser la parole au candidat pour que je puisse exprimer le plus que ça compte dans votre position. Monsieur Zanti, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de commencer par la dernière question, c'est-à-dire la question numéro 4, oui, qui demanderait de savoir quel est le principe de base utilisé pour modéliser la rigidité en flexion du matériau sandwich. Quel est donc le principe de base utilisé pour modéliser la rigidité en flexion du matériau sandwich? Pour modéliser cette propriété, le principe de base utilisé, c'était que la rigidité en flexion du matériau sandwich est égale à la somme des rigidités de ses constituants, c'est-à-dire la rigidité des peaux et de la rigidité de l'âme. Pour la question précédente, c'est-à-dire la question numéro 3, pourquoi pas une optimisation, enfin, de donner un exemple d'optimisation rigoureuse.
un exemple de méthode d'optimisation expérimentale de façon rigoureuse. Un exemple, c'est par exemple la méthode d'optimisation de Taguchi. Méthode de Taguchi pour optimiser, suivant donc un processus expérimental, des propriétés. La question, c'est la question numéro 2. Pourquoi n'avons-nous pas fait une optimisation rigoureuse? Si nous regardons bien les propriétés que nous avons modélisées sur les composés de bois polystyrène, ont utilisé des variables qui sont au nombre de 7. 7 variables. Alors, si nous devions faire une optimisation rigoureuse, c'est que nous allons par exemple utiliser la méthode de Taguchi. Avec la méthode de Taguchi, par exemple, et avec 7 variables, ça fait carrément plus, enfin, ça fait carrément un gros travail, si bien qu'on ne pourrait pas s'en sortir dans le cadre de cette thèse-ci. La raison pour laquelle, en fait, dans le processus, nous avons focalisé notre attention sur l'objectif qui était de parvenir à trouver des variantes de composites de bois plastique qui puissent être utilisées comme constituants des peaux, des couches extérieures du matériau sandwich. Parce que là, notre objectif, c'était de parvenir donc à trouver des valeurs de propriété en traction assez élevées. Et donc, nous n'avons pas fait une optimisation rigoureuse. On a donc essayé de trouver les combinaisons nécessaires au fur et à mesure que nous évoluons à travers les combinaisons à travers la détermination des propriétés par rapport aux variables. Nous essayons d'éliminer certaines variables et on continue le chemin jusqu'à trouver donc des valeurs qui nous permettent de pouvoir utiliser le composé de bois polystyrène comme constituant du matériau, comme constituant de la peau ou des peaux du matériau sandwich. La dernière question, qui est la première que le professeur avait posée, c'était de savoir ce que c'est que l'économie circulaire. Alors, je dirais que de façon simple, l'économie circulaire, c'est en fait une économie qui prône le fait que chaque chose constitue une nourriture pour autre chose. C'est-à-dire que si, par exemple, chaque chose constitue une nourriture pour autre chose, et chaque chose peut servir un matériau, par exemple, pour contextualiser mieux, un matériau, par exemple, qui est venu en fin de vie, peut servir à réaliser d'autres objets, autre chose dans d'autres domaines. Donc, c'est ce concept-là qui traduit la notion d'économie circulaire. Et pour ce qui concernait la préoccupation par rapport à l'utilisation des matériaux qui sont développés, je voulais préciser que c'est plutôt le composite bois polystyrène qui est en fait plus destiné à être utilisé pour les faux plafonds. Pour les sandwichs, par rapport auxquels nous avons donné des éléments de réponse, c'est plutôt beaucoup plus les cloisons, à cause surtout de leur épaisseur. Les épaisseurs socles, pardon, que nous avons testées sont de 24, 30 et 40 mm. Par contre, pour le composite bois polystyrène, nous sommes arrivés à avoir des épaisseurs suffisamment faibles de 4 mm. Merci. Merci. Oui, Monsieur le Président, je remercie le candidat pour, disons, ses réponses pertinentes qu'il a apportées. J'allais lui suggérer, justement, donc, les deux applications dont il a parlé de ces panneaux sandwich. Je voudrais bien qu'il les précise très bien donc, dans son résumé. Comme ça, je crois qu'on aurait résolu un grand souci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci pour cette intervention de personnes qui ont participé à des applications réalisées avec la proposition. Nous allons quitter le plan d'activité pour venir chez vous. Si par d'autres sapes, ou j'aime. De la recherche de cette université, l'invité à suivre les compétences dans le domaine de la création de la chose. Je vais passer la parole pour que vous puissiez demander de bénéficier de la connexion à cette période de sujet.
très bien, monsieur. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président du jury, professeur Pierre-Antoine Pan. Merci, docteur de l'Université d'Arabie, qui a proposé ma participation aujourd'hui. Salut, le professeur Akoui, et nous également, qui est le directeur de cette thèse, et qui est notre aîné en Guinée. Seulement, merci au professeur Timigaye, professeur Douguet, et les autres collègues. Professeur Joseph Green. Merci beaucoup. Professeur Ahmed, c'est ça. Hein? Donc, je vais vous dire merci pour la mémoration pour la qualité de cette thèse. Et je félicite le président par anticipation pour la qualité de sa présentation. Et il faut dire que quand j'ai eu la thèse, j'ai un peu tiqué parce que le nom de page est un peu très important. Donc, d'habitude, je fais un effort de voir l'homogénéité en termes de chapitres. Quand je regardais un peu, il y a des chapitres à 51 pages, 65, voire 89. Donc, j'ai fait un peu un calcul mathématique. Mais je me rends compte que c'était la recommandation du professeur Tchèque. Je viens de le rendre compte. Donc, malgré cela, il y a quand même des efforts à faire au niveau de la synthèse par rapport au résumé, par exemple. Il va essayer de revoir le résumé. J'ai corrigé des choses dedans. Je ne veux pas s'attarder sur ça. Donc, tout à l'heure, d'abord, si nous commençons par de la thèse, je ne sais pas si le jury l'accepte. Moi, je souhaiterais qu'on parle de composite, vous parlez de composite de bois. Est-ce que ce n'est pas mieux de parler de cellule de bois? C'est à vous de me le dire, hein, cellule de bois. Et là, on va sauter le T plastique là, qui est là, peut-être mettre une virgule. Et après, il y aura, on va ajouter la virgule qui est après les stages et éléments de Rabia. Tout en la famille Rabia qu'on est ici. On précise la famille. Je ne sais pas si le jeu n'a été. Au niveau, je m'en vais vers les perspectives, tout à l'heure, vous avez dit, je ne sais pas si vous avez parlé, je sais que votre directeur de thèse a parlé parfois de l'essai d'inflammabilité. Sinon, la résistance au feu serait très importante. L'essai de résistance au feu, il faut y penser et pour un tel matériau. D'accord? Donc, bon, aussi, en termes de perspectives, lorsque vous jugez les perspectives, il faut parler un peu des moyens pour pouvoir aborder ces perspectives. On peut citer des perspectives, mais est-ce que réellement, toutes ces perspectives, on peut les mettre en œuvre? Je note, j'ai parlé tantôt de résumé tout à l'heure, je note qu'il y a un mélange au niveau des cas, ceci, mécanique et thermique. Il faut essayer de mettre un peu de l'ordre quoi. Dans la discussion, c'est vrai. Donc, globalement, après la lecture du document, j'ai constaté que le candidat a fait beaucoup de travaux, mais la valorisation, je ne l'ai pas trouvé à travers le document. Et je le dis ceci parce que j'ai été voir la bibliographie, là-bas, je n'ai pas trouvé, je ne sais pas, peut-être que vous allez me demander, un seul de vos communications, une seule de vos communications ou articles a été référencé ici. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, donc vous allez dire parce que je vous ai rencontré dans un colloque, le professeur aussi a parlé tout à l'heure de vos publications, mais quand vous rédigez votre thèse, quand même, il faut vous citer aussi.
c'est important de pour montrer que le travail a reçu la base des comités scientifiques. Donc, je pense que c'est important. Nous allons, partir rapidement au niveau de la page. On va aller à la page 84 du document. Vous avez fait un processus de laboratoire RST et vous parlez de laboratoire de l'ESTDR. Et là, je vois là, vous parlez dans ce développement, vous parlez de la photo 2026. Mais en bas, on a la photo 2027, je ne sais pas si c'est la même photo. Donc, et à la page 101, je vois laboratoire de l'ESTDR. Le titre de ce laboratoire, le laboratoire dans lequel nous avons utilisé, c'est une partie de ces travaux-là qui ont été réalisés. Si vous pouvez nous donner le titre du laboratoire, oui, il faut être homogène dans les. Maintenant, si le laboratoire change de nom, peut-être le signal. Au niveau du diapo, diapo et 3. Oui, voilà. Compactage. La pression de compactage, on constate qu'avec cette pression de compactage, il y a l'augmentation de la masse polémique hein, oui. Du matériau. Oui. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation avec cette pression de compactage? Parce que après, vous avez trouvé des valeurs de conductivité. Qui sont très élevés pour votre modèle. Je ne sais pas s'il y a un lien, par contre, est-ce qu'il y a un lien? Oui, tout à fait. Il y a une forte relation qu'on avait remarquée. D'accord. Et c'est indiqué dans le document. D'accord. En gros, là, il y a un lien pour bien voir. Il faut noter aussi dans le document et de la présentation des résultats. Ah oui, c'est variante. Variante? Oui, c'est variante. C'est variante. La présentation des résultats de conductivité et autres, j'ai trouvé à la page, page 94. Vous avez des valeurs qui sont en parenthèse. Je ne sais pas si c'est une indice de précision ou pas. Ils sont en parenthèse là. Est-ce la précision des mesures ou autre? Oui. Donc, il y a un avoir contrôle, la classification, l'aspectisme, pour revoir tout ça. Et à la page 107 du document, je vois vous amener, comment ça s'appelle? Faites une référence HTTP retrouvée. C'est pas très bien. Donc, c'est une référence web pour essayer de être homogène partout. D'accord? Donc, voilà un peu ce que j'ai. J'ai une question, une des questions. Bon, du fait que le plastique n'est pas très difficile, bon, en termes de transport de masse, est-ce que vous avez pensé à cela? Parce que, vu la conductivité, on vient de voir que les valeurs obtenues sont telles, donc un matériau isolant, mais il n'y a pas que l'isolation thermique qui est reliée au transport hydrothermique. Je ne sais pas si vous avez pensé à ce problème-là.
dire à vous beaucoup sur le transfert des bases. Donc, c'est important de voir. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez fait beaucoup de choses et même si le professeur peut-être exigeait trois chapitres pour ce document, il serait normal que la partie résultat et discussion de groupe, il y a des résultats qu'on peut mettre à la messe. On peut mettre des résultats à la messe et montrer les résultats qui sont significatifs. D'accord? Donc, ce sont ces résultats que vous allez mettre dans la partie des résultats. Ça peut aller. Donc, il y a des choses, des résultats qu'on peut envoyer à la messe. Donc, on peut montrer les résultats les plus significatifs. D'accord? Bon, la seconde question, c'est par rapport aux mesures expérimentales et le problème d'isotropie, d'anisotropie qui est arrivé. Donc, je pense que ici, on n'est pas sûr dans la direction dans laquelle on fait la mesure. Donc, les mesures expérimentales, on peut parler de mesure, c'est une mesure approximative. Donc, ce n'est pas une mesure, on ne sait pas le sens dans lequel on fait la mesure, donc c'est important de savoir. Donc, je ne peux pas dire que la mesure que j'ai là, c'est une mesure de la direction transversale, la direction longitudinale et autres. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas essayé, puisque vous avez parlé de matériaux centriques, des valeurs de l'espèce que vous pouvez utiliser. On peut savoir ces valeurs dans les autres directions. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces valeurs? Donc, la valeur mesurée, en fait, c'est une valeur apparente, si vous voulez. D'accord? Oui. Je n'ai pas bien saisi le fond de la question. Oui. Les mesures que vous avez effectuées ici, donc, vous avez parlé de direction transverse. Oui. Donc, est-ce que réellement, c'est dans la direction transverse? Les mesures ont été effectuées. Parce que là, vous avez comparé votre modèle, vous avez fait votre modèle, vous avez fait des mesures. Donc, vous avez vu qu'il y a un écart entre les valeurs expérimentales et les valeurs mesurées. Est-ce que les valeurs mesurées ici sont des valeurs d'une direction donnée ou bien on peut qualifier ces valeurs de manière apparente? La mesure qui a été faite était essentiellement dans une direction donnée. Précise. Et donc, c'est par rapport à ça que nous avons fait les différents. C'est essentiellement dans une direction donnée. Nous avons considéré que c'est un flux unidirectionnel. Non, il faut aller vérifier la condition de mobilité et de votre matériau aussi. Hein. C'est très important pour éviter. Problème. Donc, voilà un peu par rapport au travail réalisé. Est-ce que vous avez apporté de nouveau? C'est la question que je demande. Vous avez fait, quelle a été votre contribution? Est-ce que vous avez parcouru beaucoup de laboratoires à passer par le PD, la France, et nous vous remercions, nos collègues qui sont de l'autre côté. Et maintenant, quelle a été votre contribution dans ce travail? Permettez-moi d'essayer de reprendre la question. Vous êtes en train de demander la contribution que ce travail-là a apporté. Quelle contribution à vous? Ma contribution en tant que quelqu'un qui a travaillé. C'est vous qui avez fait votre contribution. Oui, ma contribution a été observée depuis le début jusqu'à la fin avec le concours bien entendu de mes encadreurs, que ce soit pour les travaux d'expérimentation, de modélisation analytique numérique. Je suis au début et à la fin de ces travaux-là. Oui, je vous voudrais tester votre honnêteté scientifique. En fait, dans un laboratoire, c'est vraiment un travail en seul. Il y a des gens qui ont contribué à ce travail. Donc, c'est le moment pour leur faire un plein d'œil. Ok, d'accord. Je
Monsieur le Président, je vais m'en arrêter là. Merci. Très bien, on va vous laisser la parole. Et pour le maire, la fête, Merci, monsieur le président. Pour ce qui est de la première question, les variantes parenthèses étaient les écarts types. Pour ce qui est de la deuxième question, je vais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de dire un merci à tous ceux qui m'ont aidé dans leur laboratoire à réaliser les différentes expérimentations des différentes organisations. Je voudrais penser d'abord aux différents laboratoires de CERAP. Et je pense à M. Guibal et à M. Alban pour m'avoir permis et m'avoir fait confiance de travailler sur leurs équipements, leurs machines d'essai, de flexion, de compression et tout. Je vais penser également à M. Vincent Huyon et M. Jonathan du laboratoire de l'Université de Montpellier qui m'ont permis et qui m'ont aussi fait confiance de travailler sur leur machine d'essai de traction. Réaliser l'essai de traction, c'était très difficile. Et ils m'ont permis quand même de le faire. Ils m'ont permis de traiter les résultats. Je les remercie énormément. Je voudrais remercier également le laboratoire du professeur Viadou qui, par le biais de M. Dr. Tosso, m'a permis de réaliser les mesures thermophysiques sur les différentes composites. Je lui dis un grand merci. Merci également à M. Servet et au directeur du laboratoire permettez-moi, je vais réactualiser après, de l'STBR. Oui, laboratoire des études et essais sur les matériaux de l'Université d'Arome. Je pense ensuite aussi à M. Servet qui m'a vraiment aidé, et surtout pour les essais préliminaires sur le composite de bois plastique dans les années, en 2017 à 2018. Je remercie également, je reviens un peu au CERAD pour remercier encore Mme Marie-France qui m'a beaucoup aidé pour réaliser les essais biologiques sur les termites et les champignons en 2016. Je remercie également tous ceux qui m'ont aidé à réaliser les essais de porosité sur le picomètre au CERAD toujours. Je remercie également tous ceux qui m'ont aidé à réaliser les essais de chimie. Merci beaucoup. Je remercie enfin tous ceux qui m'ont aidé et qui présentement, je n'ai pas pu tout de suite penser à eux pour les différentes contributions qu'ils m'ont apportées dans la réalisation de ces différents essais, de ces différentes motivations. Merci.
Par rapport au titre de la filiale. Par rapport au titre, je voulais préciser que l'idée était de faire ressortir les différents matériaux de base qui ont servi à réaliser le matériau sandwich. Et donc, dans cet ordre, dans cette idée, il était donc nécessaire de faire sortir le thème composite formé de bois et de plastique, pour la nécessité d'avoir composé dans l'intitulé du titre. Parce que la CIU directement n'a pas servi à former le matériau sandwich. Il a fallu qu'on fasse d'abord un premier type de matériau ou des matériaux types avant de pouvoir les associer pour avoir le sandwich lui-même. Par rapport à la teneur en eau, parce que le pot et ça, la teneur. Oui, comme la plupart des matériaux, ces matériaux, ce sont pour eux. Le matériau végétal est pour eux, les deux compositions aussi pour eux. C'est juste que les degrés de pureté sont divers. Tu as utilisé du microfabrique, si tu peux dire, car il y a un champ de l'influence de la teneur sur la productivité. Oui, bien savoir ce que tu en as fait pour cette vidéo. Oui, en fait, cette vidéo m'a permis de savoir que, enfin, de dire dans le document, que l'eau a une conséquence défavorable sur la quantité thermique. En effet, quand il y a de l'eau dans le matériau, la quantité thermique augmente. On a besoin d'une faible quantité thermique pour pouvoir utiliser le matériau comme isolant. Donc, c'est dans ce cas-là que c'est bleu la décidé. La température également monte la quantité thermique. Et je voudrais, si le président me permet, oui, j'aurais profité de l'occasion pour remercier mon directeur de thèse et mon encadreur. Oui, mon encadre. D'accord, merci. Cette fois, c'est avec le docteur Jean. Nous allons maintenant investir à vos côtés et après vous avez évoqué la vous donner la parole Monsieur Gérard Jean, vous avez la parole. Vous m'avez donné la parole, Monsieur le Président? Oui, j'entends pas. Oui, tu as la parole, je parle au Président. Ok. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Dans un premier temps, moi, je voudrais remercier les responsables de l'université d'Abomey Calavi, de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur, de m'avoir convié à cette soutenance. Je remercie Monsieur le Président du jury de me donner la parole. Bon, je vais faire quelques commentaires, je ne vais pas être très très long. La thèse de Tocqueberry Mélamadji se termine. Alors, je ne sais pas si c'est de l'avis de mes collègues du jury, mais moi, je pense que chaque thèse est une aventure. Il n'y a pas deux thèses identiques qui se déroulent de la même façon. Chacune a ses propres péripéties, donc il n'y a pas deux aventures identiques. Et là, l'aventure de la thèse de Armel se termine, et elle se termine bien. Donc, son travail de doctorat a été engagé il y a environ 4 ans. Alors, ma propre implication, l'implication du CIRAD dans ce projet de recherche est un peu particulière. Je vais faire un petit historique. Tout est parti, en fait, d'une soutenance de thèse
au Burkina Faso d'une doctorante du 2IE, un institut local, doctorante que je encadrais, Yasmine Binta Traoré, comme j'ai co-encadré Armel. C'était en décembre 2007. J'ai retrouvé, c'est exactement le 9 décembre 2017, donc c'est exactement il y a 4 ans et un jour. Et moi, Jovi était rapporteur de cette thèse. Et après la thèse, au moment du traditionnel pot de thèse, nous avons discuté avec Edmond. Je ne sais pas s'il s'en rappelle, Edmond, tu t'en rappelles? Et il m'a parlé d'un nouveau doctorant avec qui il travaillait sur des composites, un doctorant qui n'était plus un genou, qui avait déjà de l'expérience. Les composites, c'est une thématique que l'on nous demandait de développer ici au CIRAD et tout est parti de là. Bon, alors moi, pendant cette thèse, j'ai appris beaucoup de choses, notamment dans tout ce qui est relation entre le bois et les plastiques, et les différents types de plastiques que Armel a utilisés, et puis la partie modélisation aussi. C'est une partie assez costaud, ce n'est pas vraiment mon domaine. J'y ai compris certaines choses. Je n'ai pas tout compris, mais j'en ai compris certaines quand même. Bon, alors, je vais parler d'Armel. Moi, je l'ai vu travailler ici pendant les séjours qu'il a fait chez nous. Il y en a eu 3 en tout. Armel, c'est un gros travailleur. On était parfois obligé de le sortir du labo à la fin de la journée pour pas qu'il y passe la nuit. On n'a pas le droit ici chez nous de travailler la nuit. On n'est pas au Japon ici. Donc, une chose importante aussi pour nous pendant ces séjours, c'est le fait que Armel se soit bien intégré dans l'équipe avec les permanents et les doctorants. Ça, c'est bien. Des fois, il nous arrive de recevoir des doctorants qui restent un peu à l'écart, qui dans leur coin, qui ne vont pas trop voir les autres, et ça, c'est pas bien. Bon, chez nous, c'est vrai qu'il y a souvent des gens des quatre coins du monde, des gens de toutes les origines, de toutes les couleurs, et Armel était à l'aise comme un poisson dans l'eau, dans cette ambiance. Bon, pendant ses séjours, il doit s'en rappeler, il y a eu le Djilali, l'Algérien, il y a eu Dao, le Tchadien, Miguel, l'Espagnol, Luis, le Colombien, il y avait le Luc, l'Américain, Maria José, la Costaricaine, puis il y avait aussi des petits Français, bien entendu. Et ce mélange-là, je le mets à notre actif, je pense que c'est bon pour les doctorants. Alors Armel, pendant ses séjours, a été très apprécié par toute l'équipe. Toujours très souriant et agréable. Je me rappelle ma collègue Marie-France, qui est responsable du labo préservation, qui me disait « Armel, il est rayonnant ». Donc, sur le contenu de son travail, je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas poser de questions, il y en a eu beaucoup. Je vais juste faire des commentaires, quelques commentaires. Bon, sur la philosophie de la thématique que Armel a abordée, Joseph en a parlé, les travaux d'Armel relèvent du domaine de choses dont on parle beaucoup en ce moment, ce qu'on appelle le low-tech, qui s'oppose au high-tech. On appelle ça aussi le frugal engineering. Les anglo-saxons utilisent ce terme. Chez les Indiens, on parle aussi de jugad, c'est-à-dire des choses qu'on fait avec peu de moyens, peu d'énergie et en recyclant les déchets. Et ça, dans notre unité de recherche BioWeb, c'est un enjeu, c'est un enjeu majeur qui porte nos recherches. C'est quelque chose qui fait partie des objectifs de l'établissement. Bon, dans le travail qu'a fait Armel, moi j'ai beaucoup apprécié, entre autres, tout l'état de l'art qu'il a fait sur le sujet, surtout moi qui débarquais un peu sur le sujet de ces composites bois plastique. Donc Armel a fait un état de l'art très abouti sur les différentes composantes de son travail, sur les différents types de composites et leur fabrication, les limites de leurs utilisations. Bon, d'une façon générale, je trouve qu'Armel a bien traité ces données, les a bien analysées, même si à certains moments, dans leur restitution, dans le document, était un peu ardu à suivre, mais je crois qu'il n'y avait pas trop d'autres possibilités de faire autrement. Dans la partie conclusion en perspective, la partie conclusion a parfois tendance à relever davantage d'un résumé, mais bon, par contre, dans la composante perspective de cette dernière partie, cette composante perspective est riche. Moi, je trouve qu'il a bien fait le tour des questions qui restent posées, des pistes de recherche à venir, qui restent à,
qui reste à travailler. Bon, il y aurait peut-être aussi, à travers cette approche, au-delà de cette approche technique, peut-être une approche socio à faire, hein, c'est-à-dire travailler sur la question de l'acceptabilité du produit par les consommateurs. Hein, mais c'est vrai que ça irait loin, ça nous ferait quand même beaucoup sortir de la thématique. Hein, donc, le document en général, bon, il est riche, hein, je l'ai dit, la partie biblio très complète, peut-être trop complète même par moment, c'est un document qui se lit bien de bout en bout. Bon, sur la présentation orale, moi, j'ai rien à redire. On voit qu'Armel est très à l'aise et maîtrise bien le sujet. Armel a bien tenu le temps. Moi, j'avais quelques craintes sur ce point. Je lui ai dit plusieurs fois. Je craignais qu'il dépasse le temps qui lui était imparti, hein, parce que son discours est un discours passionné. Mais non, il est bien resté dans le temps imparti. Donc, ça, c'est une bonne chose. Voilà, j'en terminerai avec ça. Qu'est-ce que je dirais de plus que, ben voilà, si dans notre équipe, on avait un poste à créer, ben moi, j'embaucherais bien Armel. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon, malheureusement, en ce moment, on serre la ceinture dans la boutique, il n'y a pas vraiment de poste. Hein. Mais si l'occasion se présentait, voilà, ça serait quelqu'un que l'on embaucherait voilà, sans hésitation. Voilà, j'en termine avec ça. Bon, même si le résultat n'est pas encore sorti, ben voilà, hein, j'adresse à Armel toutes les félicitations de la part de toute l'équipe. Hein, les gens m'ont dit, ah, Armel soutient, ben voilà, dis-lui bien qu'on pense à lui pendant sa soutenance et on le félicite. Hein, tous les collègues, Jean-Michel, le directeur de l'unité de recherche, Loïc, le responsable de l'équipe, et puis tous les collègues techniciens, ingénieurs, hein, Daniel, Sylvain, Alban, tous les gens que Armel a côtoyés, Patrick, Isabelle, bon, puis j'en oublie sans doute. Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président, sur mes commentaires. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. J'entends rien, hein, de ce qui est dit. Hein. Je signale. Hein. Je crois que le micro du jury est coupé. Hein. En plus, quand il marche, on n'entend pas très bien, mais quand il est coupé, on n'entend rien. Je crois qu'on entend uniquement par le biais du micro de Armel. Très bien, même sentiment. Je propose que le jury parle au micro d'Armel. Merci. C'est bon? Vous m'entendez? Maintenant un peu. Oui. Tu entends? Oui, maintenant, oui. OK. Bon, je ne voulais pas prendre la parole, mais si je prends la parole, c'est pour dire des choses. C'est pour à l'attention du public, à l'attention des membres du jury. Dans cette vie, il n'y a jamais de hasard. Pourquoi je le dis? Je parle d'abord de Joseph. Je vais lui faire une confidence. Je crois que j'en ai parlé un tout petit peu récemment à Libreville, mais je ne sais pas s'il a bien compris. J'ai entendu parler de Joseph Prix en 2003, lors d'un congrès à Épinal. J'ai entendu parler aussi d'autres. J'ai eu la chance de discuter avec ces sommités. Mais ce qui m'a marqué, dans la discussion que j'ai eue avec quelqu'un, c'est la rigueur scientifique de Joseph Gris et j'ai tenté de le joindre, mais je n'ai pas pu. Mais j'ai eu la chance de faire deux séjours à l'école polytechnique par les autres. Je pense que je rappelle, c'est un polytechnicien.
Et j'ai côtoyé tout ce qu'il a fait comme manip dans le laboratoire de mécanique des solides. Je crois que ça lui rappelle un peu sa période de thèse. Je crois, hein? Donc, on va encore là parler un peu de lui. Et curieusement, en 2018, on s'est rencontré, mais en visioconférence, lors d'une thèse à deux yeux. Donc, je n'avais toujours pas la chance de la voir. Mais le jour où Jean-Gérard m'a dit qu'il serait avec nous, peut-être, pour la tête de la mer, j'ai dit, j'aurai la chance de la voir. Mais Jean-Gérard me dit que non, tu n'auras pas la chance parce que tu ne pourras pas venir. Je dis qu'il n'y a jamais de hasard et curieusement, tout récemment, il y a un mois et demi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, lors de mon passage à Libreville, on s'est rencontrés comme ça. Dans le même côté. Donc, vous voyez, non? Vous voyez que mon rêve, quelle que soit la durée, est devenu réalité. Donc, dans cette vie qui n'a jamais de hasard. Jean-Gérard, moi, je l'ai vu pour la première fois en 2003, lorsque j'ai conduit un doctorant de Bordeaux à Montpellier, 2003. Donc, on a sympathisé. Et on ne s'est plus revu, Et subitement, en 2018, on s'est vu lors d'une thèse après d'un dîner. Et j'ai dit, tiens, j'ai une thèse qui me crée de problèmes. J'ai besoin de finir avec ce matériau, mais il me manque du matériel. Comment je dois faire pour que nous utilisons tout ce que vous avez en France dans les labos, pour quand même rendre crédible le travail là. Donc, vous savez, il a accepté, mais il fallait des démarches. Donc, voilà un peu comment tout ça a été comporté, il a raconté un peu. Mais tout cela ne peut être possible que lorsque nous introduisons le dossier de Armel Ambolé Dufort. Et là, je dois rendre hommage au président directeur général, M. Soared Michel, de l'École supérieure Le Faucon. Quand je l'ai abordé, je lui ai parlé de cette opportunité pour la jeunesse. Il n'a même pas plutôt monté, dit, propose-moi quelque chose, qu'est-ce que tu veux. Et c'est là que c'est parti. Et le dossier est passé. Et notre doctorant a pu faire trois séjours. Donc, Jean-Gérard, Joseph Gris, vos hommages de jeunes chercheurs, enfin, pas trop jeunes, vieux, par rapport à vous, je suis un jeune chercheur. Donc, c'est un honneur pour moi d'être dans le même jury que vous. Alors, Fouillette, on ne peut même plus en parler, hein. C'est mon mentor. Quoi, Fouillette, là, c'est mon mentor. Si je suis un grand chercheur mondialement connu, je sais de quoi je parle. J'ai fait les Amériques, j'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Afrique dans toute cette dimension. C'est grâce au professeur Fouillette. Il le sait bien et je dois le remercier aujourd'hui. Mon jeune collègue Afoué. Merci. On a l'occasion tout récemment de se voir dans des forums, je dois le remercier d'avoir accepté de rapporter cette thèse et de faire partie du jury. Je sais qu'il n'a souvent pas le temps. Donc, il a trouvé un créneau, il a consacré son temps pour pouvoir assister à la thèse. Je dois aussi remercier mon cher frère et ami Jimmy Gaé, qui a aussi accepté de faire partie du jury. Je remercie aussi mon frère et jeune chercheur. Mon grand, comme il a dit, je suis le ancien. Il est notre vice-recteur chargé de la recherche. Je crois que lui aussi, il mérite un remerciement parce qu'il a laissé son travail administratif et il est venu. Donc, je te remercie.
Je dois aussi remercier le professeur Vianou, président du jury, qui, depuis longtemps, s'échine pour la recherche, pour les jeux. Bref, il a mes remerciements. Donc, voilà un peu, je ne voulais pas prendre la parole parce que tout a été. Mais je ne peux que rendre hommage. Qui je dois rendre hommage, lui qui était cette personne, on allait faire cette tête, peut-être il va soutenir. Mais la question qui est posée, est-ce que ça serait une thèse crédible? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Je n'ai oublié personne, hein? Mon assistant, je vous remercie aussi. Applaudissez pour vous, non? Bien avant de continuer, il n'y a pas beaucoup de bien vouloir indiquer le bloc dans le fond essentiel de notre travail. Vous avez pour ça 2 minutes. 15, 120 secondes et en fond. On n'entend pas très bien là. L'essentiel de votre travail. Est-ce que j'ai dans la salle quelqu'un qui a au moins docteur et qui souhaite poser une question pertinente au candidat? Pas de candidat, on ne peut pas Je voudrais vraiment remercier toute l'assistance et les solutés des maires ailleurs. Je voudrais féliciter le candidat pour son travail. Je le voyais déchiré par le laboratoire. Vraiment, je te félicite pour l'aboutissement et le monsieur Tamel. Question simple que je voulais poser. Est-ce que vous pouvez avoir une idée de ce matériau par rapport à ce matériau? Est-ce que ça peut être accessible à tout le monde? Est-ce que c'est facile à réaliser? Monsieur le Président. Très bien. La question a été posée en direct. Le candidat est là. Je lui laisse la parole pour répondre. Merci, Monsieur le Président. La question de savoir quel serait le coût de ce matériau. Je vais commencer par dire que nous n'avons pas fait une étude économique du matériau. Une étude économique est indispensable pour déterminer le coût de matériau.
Cependant, ce matériau, de par ses propriétés surtout environnementales, parce qu'il participe aux questions de recyclage, et donc du point de vue économique, au-delà du simple coût financier qu'on pourra déterminer suite à une étude de coût. Donc, c'est un matériau qui va plutôt être vu beaucoup plus sur le plan économique que sur le plan financier. Merci, M. le président. Celui qui a posé la question, c'est très bien la réponse que vous pouvez vous donner. Vous attestez pour voir si vous êtes en ligne, la machine de la machine sociale, la machine sociale. Très bien, donc je vais demander maintenant, est-ce que les collègues qui sont en vidéoconférence, est-ce que quelqu'un a oublié une question qu'il souhaiterait poser? Je parle de Mohamed Vitalien, je parle du professeur Joseph Brie, de Gérard. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais juste féliciter le candidat. Je crois qu'il est très brillant. Je suis fier d'avoir été un des rapporteurs de ce travail. Très, très bon travail. Merci. Décline, c'est ça, parce que j'ai vu ça, rapidement. Je peux parler, hein? Je demande la parole, là, Congo Brazzaville. Allô? Oui, monsieur. Monsieur, vous avez la parole. Ah, merci, je vous entends. Bon, moi, je voudrais aussi, comme l'ont fait les autres, moi, je crois que dans mon rapport, mon rapport d'évaluation de doctorant, je l'avais dit, que j'étais vraiment très satisfait du contenu du travail, mais encore aujourd'hui, en live, il m'a épaté, parce que là, j'ai senti que vous voyez qu'il était à l'aise dans ses explications parce que c'est un travail qui a été fourni par lui-même. Parce que quand c'est un travail fait par vous-même, les explications à n'importe quelle question, moi je crois que le doctorat ici présent devant n'importe quel jury pour ce travail-là, en tout cas, ça dit que rien ne pouvait l'arrêter. Bon, maintenant, je dis encore vraiment félicitations, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce que vous savez, quand on fait ce travail de recherche-là, vous avez ouvert là les brèches que vous avez laissées. Et si vous ne faites pas vite, il y en a d'autres qui vont profiter déjà des perspectives là déjà pour faire ce travail-là à votre place. Vous comprenez? Bon, donc, quand vous êtes encore jeune, dynamique, si vous avez le temps, ben, il faut continuer à sur la même lancée. Merci, Monsieur le Président. Ça marche. C'est par rapport au professeur Jean Gérard qui disait tout à l'heure que s'il avait un poste en France, il viendrait chercher notre collègue. C'est pour dire que sa filière est en manque au Bénin aussi. Hein. La dernière fois, on a lancé un appel à candidature et on cherchait deux, on n'en a pas trouvé. Merci. Et, donc, merci. Si vous venez très vite, vous allez prendre. Sinon, le Bénin est là. Merci. J'espère qu'il a compris ce que tu as dit. Bon, très bien. Donc, nous allons rester. Ça.
le président demande à ce que l'assistance se retire et nous allons rester en salle pour délibérer. Après les déclarations, le candidat a fait montre d'une bonne maîtrise du sujet et d'un effort intéressant pour un effort pédagogique intéressant pour l'éducation. Le travail présenté est digne d'intérêt pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour tout le monde entier. Le candidat a bien répondu aux questions posées par les membres du jury. Le jury a admiré les décennies de date du docteur. De la spécialité mécanique avec la petite table. Félicitations au jeune docteur Amadji Armel. Oui. Dormez. Voilà. Merci beaucoup. Il est brave, le garçon. Il est vraiment, il mérite. Il mérite. Ça, c'est très brave, hein, ça. Ouais, il a fait tellement d'essais que je me demandais, mais est-ce qu'il dormait au labo? Mais vraiment, c'est. Et puis, il a bien répondu aux questions. Oui. Très bien. Il mérite. Il a trop traîné sa bosse sur les paillasses de laboratoire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il mérite qu'on lui mette sa touche, ça là. Voilà, voilà. Mais j'ai aussi le père, docteur de l'Université d'Afrique. Merci beaucoup, monsieur le professeur, membre du jury. Je vous remercie infiniment pour votre participation à cette cérémonie de soutenance. Merci. Mes chers collègues, en visioconférence, je voudrais vous dire merci à vous tous. Merci de votre collaboration. Merci de rester en contact. Nous allons vous envoyer les rapports sur lesquels vous allez devoir déposer le circuit. Très prochainement, merci beaucoup, monsieur le président, et au revoir à tous les membres du jury. Et au plaisir de vous revoir, Jean-Michel, Joseph Grill, professeur Aouet que je connais aujourd'hui, et mon fils que je n'oublierai plus jamais, Mohamed. À bientôt, Anati Tengu. Voilà. Merci beaucoup, bye-bye. Merci à tous les collègues. Merci. À tous les collègues de la France, du Congo, et vraiment, donc, à mon professeur chéri, mon professeur chéri du Cameroun. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, Joseph. Au revoir et bye bye. Allez, c'est parti.